Cette Non, conférence va maintenant être enregistrée. Et comme je vous disais, si vous avez moins de questions, j'ai un œil sur le chat constamment, donc je réponds aux questions sans aucun problème. Il y a du temps pour les questions. Si on finit à 10h, on finit à 10h. Si on finit à 10h30, on finit à 10h30, ce n'est pas grave. On finira quand on a fini. Tout ce que je dis fonctionne pour Hermès, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Je parle d'Hermès au plan national. D'accord? Paris, hors Paris, petite ville, grande ville, Hermès en présentiel, Hermès en distanciel. Tout ça, je vais vous le présenter, mais tout fonctionne pour Hermès. D'ailleurs, les conférenciers qui font des conférences à Hermès le font dans toutes les villes, à Paris comme dans les villes en dehors de Paris. Ce sont les mêmes conférenciers que vous aurez si vous êtes à Toulouse, à Paris ou à Marseille. J'ai pris trois villes au hasard. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des premières questions avant qu'on démarre? Eh bien, allons-y. Alors, commençons par le concours de l'ECN. On va commencer par des choses relativement générales, vous connaissez peut-être, mais au moins on va planter un petit peu le décor. L'ECN, c'est 5 demi-journées d'épreuves réparties sur une semaine, du lundi au vendredi. La première demi-journée, ce qu'on appelle le test de connexion, c'est vous arrivez. Vous prenez vos tablettes et vous vérifiez que la connexion se passe bien. Et ça sert aussi au CNG, hein, donc qui est le dispositif qui s'occupe de l'ECN, de vérifier qu'il n'y a pas de souci en termes de charge pour les serveurs. Ensuite, vous avez donc 5 demi-journées d'épreuve. Les après-midi sont réservés aux dossiers progressifs. Et les matinées, ça va être soit des QI, 120 QI, soit de la LCA. Ça, c'est l'ancienne mouture de l'ECN et probablement que la vôtre sera calquée sur cette mouture-là. On n'en sait pas plus. Le jeudi et le vendredi sont dédiés à des séances de rattrapage. Imaginons qu'il y ait une demi-journée de QCM qui n'ait pas pu être réalisée pour raison X ou Y. Elle sera reportée sur une de ces 4 demi-journées. C'est arrivé une seule fois en 2017. Depuis, ce n'est pas arrivé parce qu'avant, quand il y avait un problème sur un dossier, on devait refaire tous les dossiers. Maintenant, ce n'est plus le cas. Dès qu'il y a un problème sur un seul dossier, on ne doit refaire qu'un seul dossier. Alors, on m'a demandé juste de désactiver les bip-bip des gens qui se connectent et qui se déconnectent. Je vais voir si j'y arrive. Ce serait bien, parce qu'effectivement, ça fait du bruit. Alors, je ne sais pas faire. Alors, je sais pas faire, donc on va devoir faire avec les bip-bip. Je suis désolé, on fera mieux, pardonnez-moi. Au niveau des épreuves, actuellement, le CED est noté sur 10 720 points, ce qui est un peu étonnant, mais c'est comme ça. 10 700 points, pardon. Avec 420 points par dossier progressif, soit pour 6 dossiers actuellement, 2 520 points par session de dossier, et au total, 7 560 points qui sont réservés aux dossiers progressifs. Ce qui fait que le dossier progressif représente 70% total de votre note et donc de votre classement. Les questions isolées sont au nombre de 120 et représentent 2 160 points en tout, soit 20% du total de vos notes. Et la LCA, avec deux textes qui sont notés 500 points par texte, représente 1 000 points, soit 10% du total de l'ECN. Sachez que de façon globale, là où les notes sont les moins bonnes, c'est en questions isolées. Et c'est une des parties de l'ECN où vous pouvez vraiment gagner des points et gagner des places. Les nouvelles modalités. Comme vous le savez probablement, il a été négocié que l'ECN 2023 se passe selon les modalités de la réforme du deuxième cycle. C'est-à-dire qu'une réforme du deuxième cycle est en cours et va être pleinement active pour l'EDN 2024. Et l'ECN 2023 doit être un entre-deux. C'est-à-dire qu'il doit se baser sur les mêmes modalités sur le plan du concours que l'EDN 2024, pardon, mais avec un classement qui n'est fait que sur les épreuves et non pas sur des ECOS ou une note de parcours. Dans ce nouvel ECN slash EDN, les informations et connaissances à avoir sont celles qui sont rankées selon le rang A et le rang B. Le rang A correspondant aux connaissances qui sont dites à maîtriser par tout médecin.
Elles correspondent elles-mêmes à normalement un ratio de 70% des connaissances. Les gens qui ont des problèmes avec le son? Je vois que c'est pas net pour tout le monde. Non? Vous me dites, hein? Ok, très bien. Je continue, pardon. Donc les rangs A et les rangs B qui correspondent à 30% des connaissances et qui sont des connaissances qui correspondent à ce qu'un interne qui rentre dans la spécialité doit connaître. Par exemple, connaître le diagnostic d'une atteinte rénale du lupus est exigeable à un interne qui rentrerait en néphrologie ou en médecine interne. Par contre, il ne serait pas exigeable pour un interne qui rentrerait dans le DES d'orthopédie. À l'inverse, connaître les indications de traitement par prothèse d'une fracture du col du fémur est un élément, est une connaissance à connaître pour un interne d'orthopédie qui rentre dans le DES, mais pas pour un interniste. Ça, c'est la philosophie de cette réforme. Et les rangs C correspondaient aux connaissances qui ont été repoussées dans le troisième cycle, c'est-à-dire des connaissances que vous devriez acquérir en tant qu'interne et non pas en tant qu'externe. Tout ça, c'est théorique. Et je suis désolé, dans cette conférence, je ne vais pas faire de langue de bois. C'est théorique parce qu'il y a des connaissances de rang A qui sont hyper spécialisées. Par exemple, voici le collège d'hématologie. Et ils vous disent en rang A que vous devez connaître dans les causes de carence en vitamine B12 l'infection par le botryocéphale. Le botryocéphale est un parasite des poissons du lac du nord de l'Europe qui va en fait bouffer la vitamine B12 dans votre système digestif. J'en ai jamais vu. Et comme ils le disent, c'est exceptionnel. Les causes de carence en vitamine B12, en dehors, à mon avis, du Birmer, sont largement au rang B, voire C. Et en rang B, ils vous mettent la maladie d'Imerslund, qui est une maladie génétique par défaut de récepteur à la vitamine B12. C'est rarissime. Et ça touche les enfants. Et c'est du rang B. C'est-à-dire que si vous êtes interne d'hémato ou de médecine interne, par exemple, ou pédiatre, vous devez connaître la maladie d'Imerslund. Je serais très surpris de voir combien de pédiatres ou d'hématos connaissent cette maladie par cœur. Donc, ce ranking, il est loin d'être parfait et il pose beaucoup de problématiques, aussi bien dans son ranking A et B que aussi dans un ranking C. Par exemple, vous avez ici le collège d'endocrinologie et en rang C, ils vous disent que la rétinopathie diabétique doit être dépisté précocement en suite complication par l'examen ophtalmologique, réalisé systématiquement. Ça, c'est ce qu'un comme médecin généraliste fait toute la journée. C'est ce que beaucoup de médecins qui prennent des patients avec un diabète doivent faire. Un patient diabétique doit avoir un examen ophtalmologique tous les ans. C'est de la médecine courante, de tous les jours, voire de plusieurs fois par semaine. Et c'est du rancé. Si vous dites ça à un ophtalmologue ou à un diabétologue, il va vous rire au nez. Donc, c'est considéré comme du rang C. Mais à mon avis, il y a beaucoup de PU qui pensent que ce n'est pas du rang C. Autre exemple, parfois des incohérences entre deux collèges. Vous avez ici à gauche le collège de rhumatologie qui met en rang C les caractéristiques de traitement de l'ostéoporose. Qui traite-t-on quand? Si vous avez le collège de médecine interne, c'est un rang A. Donc on a un rang C en rhumato, on a un rang A en médecine interne. Donc, voici mon conseil. Le seul vrai conseil, c'est que là, ce ranking, il n'est pas optimal. Il n'est pas consensuel, il est parfois un peu bizarre. Et moi, je serai vous. Je lirai les rangs C. Je ne me focaliserai pas forcément dessus, c'est-à-dire que je ne me pousserai pas à les apprendre par cœur comme un rang A, par exemple, mais je lirai les rangs C et je ne me dirai pas en ouvrant mon collège, c'est du rang C, je ne lis pas. Parce qu'à mon avis, vous allez vous faire piéger. Et vous ne savez pas si le rang C du collège A sera un rang C dans le collège B, comme on l'a vu dans les exemples. Donc je serai vous, je lirai ces rangs C. Deuxième partie de cette nouvelle ECN, ce sont des nouvelles modalités de questions. Dans ces nouvelles modalités, les DP sont censés être plus courts. Actuellement, on est entre 14 et 18, entre 13 et 18 questions dans les textes de loi pour les DP de l'ECN. À la réforme, on s'est passé à 3 à 8 questions pour un DP, ce qui a ses avantages.
C'est-à-dire qu'un DP de 16 questions, on arrive très vite à ramener le cousin de la cousine qui vient parce que vous êtes satisfait de la prise en charge. Là, au moins, on a des vrais DP construits. Dans ces DP, vous retrouvez ce qu'on retrouve actuellement. Des QCM, une à cinq propositions justes. Des QRU, questions à réponse unique. Et c'est déjà le cas à l'ECN aussi. Si vous regardez les annales de l'ECN, il y a plusieurs questions où on vous demande la réponse juste, ou le diagnostic, ou l'examen à faire, avec entre parenthèses marqué une seule réponse attendue. Donc jusque-là, on ne sort pas un peu de nos, on sort pas de notre confort. Les autres questions qui sont permises par cette réforme sont les QROC, questions rédactionnelles ouvertes courtes. C'est simple, c'est une réponse qui doit tenir en maximum 5 mots. Vous devez écrire. Ces QROC étaient prévus normalement pour l'ECN. Pour l'ECN que j'ai passé, que vos internes ont passé, c'était prévu normalement, et ça a été retiré, parce que ça prenait beaucoup de temps de correction, et parce que la machine avait du mal à reconnaître les erreurs de frappe, les minuscules, les majuscules, les accents, pas les accents. Ils veulent leur mettre. Très bien. Un exemple de QROC, c'est celui-ci. À quel diagnostic pensez-vous en première intention devant une fièvre au retour d'Afrique subsaharienne? Vous le savez probablement, mais toute fièvre en retour d'une zone endémie est un palu, c'est la preuve du contraire. Donc la réponse juste aurait été paludisme. Dans les autres modalités qui vont être développées ou qui sont parfois développées dans certaines facultés, vous avez les zones à pointer. Ça va être une image ou le corps d'un patient et une zone à pointer pour répondre à la question. Et par exemple, ici, vous avez une radiographie thoracique d'un patient qui a une myopathie aiguë communautaire avec un foyer de condensation alvéolaire systématisé au lobe supérieur droit. Il faudra pointer l'anomalie. Et donc, si vous pointez une, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais si vous pointez n'importe où dans cette zone-là qui est dessinée en bleu, vous aurez le point. Alors, la zone est dessinée un peu à l'arrache. Je pense que c'est un peu plus, mieux dessiné pour le CN. C'est moi qui l'ai fait, donc c'est un peu à l'arrache. Mais c'est ça l'idée. C'est ça une zone à pointer. Ça peut être, par exemple, à quel endroit sur le torse de votre patient posez-vous votre stéthoscope pour entendre un souffle d'origine mitrale? Eh bien, il faudra se mettre sur la ligne médio-claviculaire gauche au cinquième espace intercostal, ou plus simplement en sous-mamelonnaire, chez un homme. Chez une femme, ça dépend de la pose mammaire. Ça, c'est les zones à pointer. Ensuite, nous aurons très probablement les key feature problèmes. Le but est là d'interroger sur les étapes clés de résolution d'un problème. Alors, on va prendre un exemple pour expliquer ça. Voici un exemple. Cet exemple, c'est celui du collège des enseignants, de la conférence des doyens. C'est simple, hein, au moins, l'exemple, il vient pas de ma tête. Un patient de 23 ans vient consulter pour une augmentation douloureuse de sa bourse gauche depuis un mois à la suite d'un choc direct lors d'un match de football. Il est inquiet car il a déjà été opéré du testicule quand il était enfant. À l'examen, le scrotum est rouge, sensible, intrin fébrile à 37,8. Question numéro 1. Parmi les éléments supplémentaires de votre bilan ci-dessous, quels sont ceux qui vous orientent vers le diagnostic du testicule? Listez les trois principaux. Donc là, vous avez une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments. Et dans ces 10 éléments, il faudra noter les trois qui vous paraissent les plus pertinents pour le testicule. Donc après, voilà, on a l'intervention de l'enfance pour une cryptorchidie, qui on le sait est un facteur de risque. La gynécomastie, on le sait, c'est un sujet jeune, masculin, une gynécomastie dans l'intervention testicule, par sécrétion de dérivés de l'HCG. Et l'échographie, la présence de deux lésions hypodenses. Le reste est considéré comme moins intéressant, le tabagisme, un risque mineur, l'anopathie, elle n'est pas inguinale, un testiculaire, elle est lombo-aortique, le chevassu, ce n'est pas rien à voir avec le testicule, testicule droit, la taille, on s'en fout parce qu'il y en a toujours un qui est plus gros que l'autre en plus, l'anopathie, bah, on en a déjà parlé un petit peu, hein, elles sont lombo-aortiques, le prépuce asymétrique, on est loin des testicules, et l'orchidopexie, non, l'orchidopexie, c'est en cas de torsion testiculaire, et la torsion testiculaire n'est pas une cause de cancer testicule, n'est pas un facteur favorisant. Donc voilà. Et ensuite, vous enchaînez, QCM numéro 2, quels sont les 4 examens complémentaires indispensables à prescrire lors d'autres examens cliniques? Pareil, on vous donne une liste, et vous devez choisir les 4 qui vous semblent les plus pertinents. Et ça continue comme ça, en mélangeant éventuellement le type de question avec une QROC, avec là, quel est le type histologique le plus probable devant une HCG augmentée et des LDH augmentées, etc. Question numéro 4. Et vous voyez, en fait, un DP se construit comme ça,
Mais ce DP n'est pas, on ne vous interroge pas sur une prise en charge, on vous interroge sur les éléments clés de cette prise en charge. Les consignes pour les KFP sont les suivantes. C'est des QCM de 10 à 15 questions avec des distracteurs, donc c'est des réponses fausses mais qui peuvent être vraisemblables, qui doivent être du coup vraisemblables par définition, ou soit plausibles. C'est-à-dire que par exemple, bah voilà, si vous avez examiné le testicule d'un patient, qu'est-ce que vous allez examiner? Le chevassu, la transillumination, la rougeur locale, la taille, etc. Et tout ça, on les met dans une liste et on vous dit c'est quoi qui est vraiment important. L'idée, c'est qu'est-ce que je priorise? Il faut un seul objectif, une seule question par QCM, comme on l'a vu ici. Quels sont les éléments qui vous emmènent vers le cancer? Quels sont les éléments à faire avant la prise en charge? Quelle est votre prise en charge? Et il faut au moins un QROC par KFP. Donc là, vous avez un exemple de ce que c'est un KFP. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur des KFP? Est-ce quelque chose qui doit vous effrayer? Eh bien, en fait, à mon sens, non. Parce que ces KFP, ils existent déjà. Ils existent déjà parce qu'à l'ESN, vous avez déjà ces questions. Je vous ai pris une question de l'ESN 2022, cette année, un dossier de pneumo. Et on vous disait, avec les évolutions pulmonaires, quelles sont les deux hypothèses diagnostiques les plus vraisemblables? Et donc là, certes, on n'a pas 10 ou 15 propositions, on a 5, mais on vous demande les deux. Et c'est très fréquent à l'ESN. Et depuis 2021, depuis maintenant deux ECN, 2021-2022, c'est de plus en plus fréquent de voir ces questions tomber avec quels sont les deux examens à faire, quels sont les trois diagnostics les plus probables, quels sont les quatre éléments à ne pas oublier, etc. Donc en fait, ces KFP, ils existent déjà. Pas sous le même format exactement, mais ils existent déjà. Ce n'est pas quelque chose qui devrait vous choquer. C'est quelque chose auquel vous avez l'habitude sans vous rendre compte. Et c'est quelque chose qui va être hyper intéressant parce que ça vous oblige à prioriser un petit peu et vraiment retenir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire devant telle chose. Qu'est-ce qui est vraiment important. Enfin, dans les nouvelles modalités, ils veulent mettre en place un test de concordance de script. L'idée est d'évaluer l'aptitude d'un étudiant à interpréter la pression médicale dans un contexte d'incertitude. C'est-à-dire, je suis dans un contexte, je ne sais pas trop s'il en est, si on me donne telle information, est-ce que ça va m'aider ou pas et dans quel sens? Pareil, je vais prendre un exemple. On va d'abord commencer par un exemple qui n'est pas de la médecine, mais de la voiture. Je pense que pour les non-parisiens, on sait tous ce que c'est une voiture. Donc c'est un TCS, c'est une vignette courte, avec des questions indépendantes. Et c'est toujours pareil. Si vous pensiez et que vous constatez, alors, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, vous êtes le 11 février 2013, votre voiture ne démarre pas, il neige, elle est dans la rue. Pourquoi? Si vous pensez que le réservoir était vide et que la veille, vous avez roulé avec le témoin allumé. Est-ce que le fait d'avoir la veille le témoin de réservoir allumé vous oriente vers l'hypothèse réservoir vide ou pas? Moins 2, pas du tout. C'est genre ça l'écarte. Plus 2, ça l'oriente fortement. Et entre les deux, vous avez une échelle. Donc là, la bonne réponse serait plus 2. Si vous pensez que votre batterie est morte, mais que vous avez acheté une voiture neuve il y a 4 ans, est-ce que c'est probable que ce soit ça? Bah pas trop. On serait plutôt sur du moins 1, moins 2. Que l'alternateur ne fonctionne pas et que rien ne s'allume au démarrage. Alors, je ne connais pas en mécanique, mais oui, on serait plutôt vers du plus 2. D'accord? Ça, c'est un exemple en dehors de la médecine. Je réponds à une question. Est-ce que pour le ECN 2023 en juin, il y aura des TCS? Normalement, c'est prévu, mais on va en discuter un tout petit peu après ça. Prenons maintenant un TCS plus médical. On a un exemple. On reprend un patient de 24 ans. Qui à la suite d'un match de football a constaté sa bourse qui a augmenté de volume depuis un mois. Depuis 48 heures, elle est sensible. Si on pense à sa testicule et que dans l'enfance, il a eu une cure de cryptorchidie, est-ce que le fait qu'il ait une cure de cryptorchidie va plutôt favoriser notre hypothèse ou plutôt la défavoriser? Et bien là, on sera
favorable, on sera à plus 2. Si on pose un hydrocèle, les orifices herniaires sont libres. Bon, on sera plutôt à moins 2. À 24 ans, si on a un hydrocèle, c'est qu'il y a une communication. Donc, clairement, les orifices herniaires ne sont pas libres. Et un varicocèle, des douleurs frontales chroniques avec sillon épidémolaire testiculaire bien perçu à l'examen clinique. On a bien le sillon épidémotesticulaire, ça écarte du coup, ça peut être avec notre cancer, donc on sera plutôt à 0. D'accord? C'est ça l'idée des TCS. C'est, on vous pense à une hypothèse, on vous file une info. Est-ce que cette info impacte sur l'hypothèse? Et si oui, est-ce qu'elle impacte positivement? Est-ce qu'elle oriente vers ou négativement? D'exemple tout bête, un patient de 30 ans vient aux urgences pour une fièvre depuis 2 jours. Si vous pensez à un paludisme et que vous trouvez qu'il a voyagé en Afrique subsaharienne il y a une semaine, est-ce que cette information vous rend vers le paludisme ou pas? Bah oui, on sera à plus 2. D'accord? C'est ça les TCS. Est-ce qu'il vous rapporte des TCS? Bah oui et non. Oui et non parce qu'il existe un tout petit peu à l'ECN, mais pas encore franchement. Là encore, je vous ai pris un exemple d'une question de l'ECN 2022. C'était un patient qui venait pour une asthénie. Je vous la fais simple, pour ne pas vous spoiler. On vous dit qu'il a perdu 2 kilos en quelques mois, qu'il a un IMC à 22, voilà. Et on vous dit, est-ce que sa perte de poids correspond à un maigrissement volontaire? Est-ce que son IMC correspond à une nutrition? Est-ce que la tachycardie orienterait vers quelque chose? Est-ce qu'une tristesse de l'humeur est recherchée? Est-ce qu'une diarrhée serait discriminante? Ce n'est pas vraiment un TCS, mais pourtant il y a des éléments qui y ressemblent. Par exemple, la proposition C. Si je vous écrivais plutôt, vous pensez à une anémie, vous retrouvez à l'examen clinique une tachycardie de repos. Est-ce que cela vous oriente vers l'anémie ou pas? La réponse serait oui. La D, si vous pensez à un syndrome dépressif et que vous retrouvez à une tristesse de l'humeur, est-ce que celle-ci vous oriente vers la dépression? La réponse serait oui. La E, vous suspectez une anémie. Vous suspectez une anémie, par exemple, et vous retrouvez une diarrhée interrogatoire. Est-ce que ça vous oriente vers une cause? Bah, moyen. D'accord? Donc, ça n'existe pas en tant que tel, mais des questions s'en rapprochent un petit peu. Tout ça, c'est bien beau, ces nouvelles modalités. Mais le problème, et vous devrez me contredire, c'est que vous n'êtes pas préparé actuellement. Vous n'avez pas de support national qui prépare à ces TCS, à ces KFP, voire à ces QROC. Parce que l'UNES, qui est la plateforme nationale QCM, sur laquelle sont faits les QCM, n'ont pas encore développé ces modalités. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé être interrogé là-dessus en 2023. Mais vous n'êtes pas entraîné. Les entraînements ne sont pas disponibles. Ce qui me fait dire, au jour d'aujourd'hui, et c'est personnel et ça n'engage que moi, il va être difficile de mettre en place ces nouvelles modalités, en tout cas la totalité de ces nouvelles modalités, pour le CN 2023. Et qu'à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui doit vous effrayer. Et que vous aurez sur des DP et des QI actuellement suffit à mon sens. Je peux me tromper, mais nous sommes déjà en fin juin 2022, l'été, il ne va rien se passer, et si ce délai arrive, ils n'arriveront pas avant septembre-octobre, ce qui fait que ça fait quand même court pour s'entraîner pour un concours. Donc à mon sens, je ne suis pas certain que vous voyez ces nouvelles modalités pour votre CN, mais je ne peux pas l'affirmer. Si vous avez des questions sur ces nouvelles modalités, sur ce que je viens de dire, je suis bien conscient que ce n'est pas rassurant, qu'on préfère savoir un peu sur quoi on va être interrogé. Malheureusement, je ne peux pas vous dire des choses que je ne connais pas. Alors, vraiment, Dermès, pour l'instant, en tout cas dans les conférences, on restera sur des DP, des mini-DP, en faisant attention au ranking pour mettre peu de rancées, en mettre un tout petit peu, pour ne pas être passé à côté de ce qui paraît important pour le conférencier. Et voilà, ces nouvelles modalités, par contre, vont probablement être développées dans les concours blancs. C'est un peu le compromis qui a été trouvé par AMS pour le moment, pour préparer au mieux.
Sachant que si un décret sort et qu'ils disent oui, il y aura cette nouvelle modalité, Hermès s'adaptera bien sûr. Toutes les modalités sont développées pour les étudiants qui passeront l'EDN. Alors, je réponds aux questions. En privé, j'ai reçu, est-ce que je conseille de continuer à s'entraîner sur les anciennes modalités? Oui, tout à fait. Un DP restera un DP, une QI restera une QI. Et vous trouverez dans les DP des équivalents de TCS ou de KFP. Ensuite, Maximilien qui fait la remarque entre 1 et 2, les TCS, c'est subjectif. Tout à fait. En fait, les TCS vont être développés et notés d'une façon particulière. Pour faire simple, le TCS, il va être soumis à un panel d'experts. C'est une dizaine de PU ou de MCU de la spécialité qui vont le cocher entre moins 2 et plus 2. Si l'échelle n'est pas comment dire, discriminante, le TCS ne sera pas proposé. Par exemple, sur 10 PU, il y en a 2 qui mettent moins 2, 2 moins 1, 2, 0, 2 plus 1 et 2 plus 2, TCS est annulé. Il faut que plus de la moitié réponde la même chose. Ensuite, la notation est particulière. Par exemple, si sur 10 PU, il y en a 7 qui ont mis plus 2 et 3 qui ont mis plus 1, alors dans ces cas-là, si tu as mis plus 1, tu auras 30% de la note. Ensuite, je réponds aussi à une question. Oui, je pense, Adnan, que ça correspond à une bonne base de QCM pour l'instant. Ensuite, pour les facultés. Alors, est-ce qu'on sait comment les discordances vont fonctionner pour ces modalités? Et donc, si vous me cochez ou non, si on a un doute. Alors, on ne connaît pas encore la notation. Probablement, ça sera du 0 ou du 1. C'est-à-dire que quand on vous montrera 4 propositions, si vous en cochez 3 sur les 4, vous aurez probablement une partie des points, mais pas tous. Et en fait, effectivement, pour les facultés, alors, pour les modalités, on ne sait pas quand on les aura, Julia. Je ne sais pas du tout. Mais effectivement, sur les facultés, il y en a qui ont commencé à entraîner sur les QROC qu'ils ont appointés, ce qui est le plus facile à faire. En toute franchise, hein, ce n'est pas très compliqué à faire. Certaines facs de Paris ont commencé aussi à entraîner. Je sais que d'autres facultés comme Besançon, comme Amiens, où moi j'ai fait mes études par exemple, n'ont pas commencé à entraîner. Alors, ensuite, Lucas qui demande, est-ce que si en vérifiant bien dans chaque bouquin, c'est une info, en rancée est similaire partout? Est-ce que ça vaut le coup de s'y attarder ou non? Mon vrai conseil, c'est lisez les rancées. Parce qu'en fait, ce n'est pas le PU qui aura rédigé l'item qui fera la question à l'ESSEN forcément. Et si le PU estime que ce n'est pas du rancé et qu'en fait un métier doit le connaître, eh ben, il peut vous le mettre. À mon sens, vouloir jouer avec les rancées, c'est une perte de chance. Tant qu'ils ne sont pas sortis des bouquins, moi, je ne jouerai pas avec. S'ils ne sont plus dans les bouquins, ce n'est pas un problème, hein. Si vous prenez un collège de médecine ou de neuro où il n'y a plus les rancées, pas de souci. Mais maintenant, moi, je ferai attention pour les collèges. Mais encore une fois, on ne sait pas trop. Moi, je pense effectivement que le fait que les CNG et les UNES n'ont pas, entre guillemets, je refais. Le fait que cet entraînement ne soit pas disponible partout, que les étudiants ne soient pas entraînés, empêche de le mettre en place. Parce que globalement, il y aura un lever de bouclier des étudiants. C'est-à-dire, si on vous interroge sur ce que vous n'avez pas été préparé, je suppose très fortement que l'ANEF fera un lever de bouclier et que vous aurez un ECN classique. Les fiches Hermès partent à un gars, concernant la connaissance dont le rang est ambigu. Je pense que oui, dans tous les cas, je pense qu'il y a possibilité de garder les anciennes fiches Martingale et les nouvelles si besoin. Et ça, je peux très bien faire le relais pour demander à Hermès de laisser les deux versions. Ce n'est pas un problème. On continue? Sais, je réponds tout à fait honnêtement. C'est-à-dire que si je ne sais pas quelque chose, c'est que bah, personne ne le sait aujourd'hui. Ce qui est un peu compliqué pour vous. Mais vous inquiétez pas, hein, je sais que vous avez beaucoup d'informations, mais ça ne changera pas le fait que, un étudiant qui travaille bien le ECN, on verra comment après réussir à bien. Nouvelle modalité ou pas, ça faut vous tranquilliser là-dessus. Ensuite, je vous ai fait ici un petit graphe. Alors, c'est semi-subjectif, c'est-à-dire que c'est le graphe des difficultés des questions à l'ECN depuis que l'ECN est ECN, depuis 2016. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai demandé l'avis à deux, trois copains, mais ça reste quand même relativement subjectif. Grosso modo, il y a une année qui était très difficile, c'est 2018. Et sinon, on est sur une difficulté plutôt moyenne, sauf cette année où j'ai trouvé et on a trouvé des questions plutôt difficiles. Quoi qu'il en soit, ces difficultés ne jouent que sur une chose, votre moyenne. C'est-à-dire que
Par exemple, en 2018, si vous aviez 15,7, vous étiez dans les top 30. En 2021, si vous aviez 15,7, vous étiez plutôt top 1000-1500. Mais en fait, un étudiant qui aurait été top 30 ici, avec 15,7, il aurait probablement été top 30 ici en 2021. Ce graphe, en fait, n'a pour moi qu'un seul intérêt, c'est de vous expliquer que c'est un concours. Donc, si un dossier progressif est dur, il est dur pour tout le monde. Si vous vous trompez, il y a beaucoup de gens qui sont probablement trompés. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur un dossier difficile. Il faut justement garder la tête froide, de dire, OK, c'est compliqué, je ne sais peut-être pas tout, mais je vais faire de mon mieux. Et en général, ça passe. Et moi, j'ai passé le CET en 2018, et sincèrement, le CET était vraiment très, très compliqué. Mais là où j'ai fait des erreurs, bah, quasiment tout le monde a fait une erreur. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Et j'ai fini très bien classé à l'ECN. Donc, il ne faut pas vous inquiéter à la difficulté des dossiers. Et notamment quand vous ferez les annales, vous prenez une baffe sur l'ECN 2018 ou 2022, ce n'est pas grave, c'est normal. C'est une baffe collective. Donc, c'est un concours. Ce qui compte, ce n'est pas la difficulté, c'est de faire mieux ou moins pire que le voisin. Donc, c'est ce que je vous dis, hein. Ça a un peu d'intérêt parce que c'est un des difficiles et difficile pour tout le monde. S'il est trop facile, il est trop facile pour tout le monde. Et dans les deux cas, il est peu sélectif. Le contenu de l'ECN. Alors, il y a des rockstars à l'ECN. Il y a deux rockstars à l'ECN, et je n'ai pas fait exprès de les mettre, je vous promets. C'est la médecine interne et l'infectiologie. C'est un ou deux dossiers par an de chacune des spécialités. La spécialité la numéro une pour l'instant à l'internat, c'est la médecine interne. C'est celle qui est le plus tombée à l'ECN. Ça va de tout, hein. Ça va du lupus jusqu'en passant par l'hémochromatose. Ensuite, vous avez des grands classiques avec quasiment tous les ans un DP par spécialité. La pneumo, et le collège de pneumo est très bien fait et les dossiers sont faits avec le collège sur les genoux. L'endoc, la dermato, pareil, tout est tiré du collège. L'hématologie, dossier relativement facile, tout est tiré du collège. La neuro, la gastro, la néphro, dossier très difficile, en général très mal réussi parce que dossier vraiment complexe. La gynéco-ops, avec un peu de cancer ou alors une grossesse, le plus souvent. La ped, au moins un dossier par an aussi de pédiatrie. L'orthopédie, une fracture, souvent. Et la psychiatrie. Ensuite, vous avez des spécialités qu'on ne retrouve pas tous les ans, mais quand même très souvent. La cardiologie n'est pas tombée tous les ans. Il n'y a pas eu de cardio en 2018, par exemple. La rhumato a été annulée pendant 2 ans à cause d'une fuite des sujets et du coup n'est pas tombée à l'ECN pendant 2 ans. Donc, il y a eu 4 ans sans rhumato. La chirurgie, c'est quasiment aussi un dossier par an. Et en général, c'est un des dossiers de chirurgie, donc des dossiers très anatomiques. Quand vous avez un dossier de chirurgie à l'ECN, vous avez systématiquement des questions d'anatomie. Soit scénographique, soit anatomie tout court. L'ORL, quasiment un dossier par an, il y a juste 1 an sans dossier. L'ophtalmo, la gériatrie et l'urologie. De temps en temps, on a des spé qu'on n'attendait pas forcément et qui tombent. Et quand elles tombent, elles font mal. Pas parce qu'elles sont dures, mais parce qu'elles sont peu travaillées. Comme la santé publique, la médecine légale, la CMF. La CMF est tombée en 2017 sur un dossier qui, objectivement, était loin d'être difficile. C'était une fracture, en fait, de la mandibule. Donc, loin d'être difficile. Très classique, tout dans le collège. Mais comme personne n'avait lu cet item, vous le devez vraiment réviser, c'était catastrophique. Alors que les étudiants qui ont bien réussi, ont très bien réussi leur classement à l'ECN. Et la MPR. En plus de ces spé, dans les dossiers, vous allez retrouver souvent un peu de réa, souvent un peu d'anesthésie. Typiquement, en orthopédie, on retrouve beaucoup quelles sont les modalités de gestion de la douleur, par exemple, ou d'anesthésie. De l'urgence, du soin palliatif, les fins de dossier d'oncologie, par exemple, il y a beaucoup de soins palliatifs. Et très souvent, la médecine du travail. En pneumologie, vous avez systématiquement, dans tous les dossiers de pneumo à l'ECN, de la médecine du travail. Ça peut être l'exposition à l'amiante, ça va être la maladie professionnelle avec une tuberculose acquise à l'hôpital, ça va être les déclarations à l'ARS de la tuberculose, etc., etc. Quoi qu'il en soit, et ça c'est un vrai conseil, ne faites pas d'impasse. Ne faites pas d'impasse parce que vous pouvez très bien tomber sur un ECN comme l'année dernière où il y avait un dossier de médecine légale. Un dossier de santé publique. Et ces dossiers, ils valent autant de points qu'un DP de cardio ou qu'un DP de rhumato. Et pour autant, ils vont probablement être plus sélectifs parce que moins travaillés par les étudiants. Donc mon message, c'est de négliger aucune spécialité. Bon, si vous n'ouvrez pas le collège de parasito, personne ne vous en voudra.
Mais ne négligez pas de spécialité parce que elles valent autant de points que les autres. Et c'est probablement sur cette spécialité-là que vous allez grappiller des points dans des places à l'ECN. Même si clairement, ce n'est pas les spés les plus funky forcément de première vue, mais c'est important de bien les travailler. Je vous ai fini cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai lu une question. Est-ce qu'il faut les collèges de parasitaux immuno et activité physique? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut lire le collège de MPR, par exemple. Il y a beaucoup de questions de MPR de plus en plus, mais parasito, immuno, non, je ne pense pas. Anapath, non plus. Anapath, éventuellement, ou comme le collège de radio d'immuno, c'est des collèges que vous pouvez éventuellement rater la BU et vous regardez les radios de tel item pour mettre des images en tête. La Cancéro, par contre, oui, c'est un collège à lire. La Cancéro est un collège à lire, à mon sens. Est-ce qu'il faut refaire un tour de tous les collèges en D4? Je pense que oui, mais on va en rediscuter juste après. Et justement, on va revoir ce concept de tour, un concept que moi, j'aime pas du tout. Et donc, on va en reparler dans la section juste après, méthodo de la DPSM Pro. Médecine vasculaire, oui. Il faut lire au moins les items AOMI, varices, TVP, etc. Pour l'anesthésie réa urgence, je pense que le collège d'anesthésie réa se suffit à lui-même. Il est très bien fait. Encore une fois, c'est une question sur les collèges, machin et tout. J'ai pas ma parole vaut ce qu'elle vaut, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, c'est mon rôle de coach. Pharmaco, il faut le lire au moins une fois, notamment tout ce qui va être traitement de la douleur, qui est extrêmement important. Pour le collège d'orthopédie, il y a le KB qui est très bien fait, le collège d'ortho a été refait. Je ne sais pas s'il est un peu mieux, ce qui était un peu illisible avant, mais il fait référence sinon. Alors, je n'ai pas prévu de faire une liste des collèges à avoir absolument dans cette conférence, mais on peut très bien en parler à la fin, on peut la faire ensemble même. C'est-à-dire qu'on peut prendre les matières une par une et dire oui, ça il faut pas, ça il faut, ça il faut pas. Ça ne me pose aucun problème. Encore une fois, c'est ma parole, hein. Attention, ça n'engage que moi ce que je dis. Et n'hésitez surtout pas à aller poser des questions à d'autres étudiants que vous connaissez qui ont été bien classés à l'ECN ou classés sans ordre, ou bien travaillés ou à qui vous avez des affinités. Parce que plus vous avez d'avis, mieux c'est. Mais on peut faire ça à la fin, il n'y a pas de souci. Pas de problème. On se garde 10 minutes à la fin, on fait ça ensemble, il n'y a pas de souci. On se fait une tier liste des collèges. La conf, c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, attention, cette deuxième partie, la méthode de la DFSM3. Voici un calendrier de votre année. On est ici, à quelques jours près. Voilà la conf est enregistrée. On est ici, on est en juillet, et vous, le but du jeu, c'est d'arriver vivant et en très bonne condition ici, donc en juin. Donc, grosso modo, on est à un an de l'ECN. On va essayer de diviser un peu cette année en plusieurs segments. C'est totalement subjectif. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ces segments, ce n'est pas grave. C'est une façon de voir les choses qui est la mienne, qui est très carrée, très structurée. Donc, à présenter, c'est facile. Mais c'est une façon. Il y en a autant. Moi, je prends toujours la période estivale, juillet-août. Juillet-août, en général, les stages sont un peu plus cool, l'ambiance est plus cool. Donc, ce n'est pas le moment où on a envie de travailler comme un bœuf. Ça tombe bien. Moi, je pense que cette période de juillet-août, elle doit être dédiée à soit commencer à réviser vos parcelles de D4. Par exemple, vous savez que moi, à Amiens, quand j'ai passé mes études en D4, on avait l'orthopédie à passer, la réa, etc. Et ben, il faut commencer à lire les collèges tranquillement en juillet-août. On prend l'avance et on est bien. Ou alors, si on a déjà fini les partiels de notre fac, ou qu'il ne nous reste plus grand-chose à passer, ou qu'on est déjà en avance, eh ben, ce que je vous conseille, c'est de mettre à jour vos connaissances. C'est-à-dire que, bah, par exemple, vous avez fait la cardio en tout début de D2, vous ne l'avez pas refait depuis, vous n'êtes pas passé en stage de cardio, ce n'est pas votre spé la plus forte, eh ben, vous relisez le collège de cardio tranquillement. Vous allez voir que relire un collège que vous avez déjà lu, c'est beaucoup plus rapide que la première fois. Donc, il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Et comme c'est les vacances, eh bien, il faut prendre des vacances. Et quand je dis des vacances, c'est des vraies vacances. C'est-à-dire que vous partez sans collège. Les collèges restent à la maison, vous laissez votre tablette chez vous et vous passez des vraies vacances avec vos potes. Vous louez une villa au bord de la mer, vous vous amusez, vous picolez des mojitos, vous faites ce que vous voulez, mais vous prenez des vacances. Ça me paraît essentiel de prendre des vacances. Alors, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être jusqu'à 3 semaines à mon sens. Au-delà, ça devient un peu beaucoup, à mon sens, encore une fois. Mais il faut prendre des vacances. L'année va être longue.
Rechargez les batteries, prenez du bon temps, amusez-vous et videz-vous la tête. C'est important. Si vous voulez être bon à l'ECN, il faut être bon moralement. Donc il faut tout faire pour ça. La deuxième période, elle va jusqu'à décembre de 2022. Cette période, elle va être là aussi dédiée à mettre à jour vos connaissances et à finir votre premier tour. J'entends par premier tour, c'est j'ai vu tous les collèges parce que j'ai passé les partiels et donc j'ai fini mon premier tour. Voilà, j'ai vu des collèges. Si possible, si j'ai eu un petit peu le temps, j'ai même eu le temps de revoir un peu les vieux collèges, de mettre à jour mes connaissances. Mais voilà, j'ai un premier tour, j'ai une base. Et cette base, elle est importante parce que sur cette base, vous allez construire en fait vos connaissances. La plupart des connaissances que vous allez construire, c'est en D4. Pourquoi? Parce que les connaissances en médecine se construisent de façon liée. Il est inconcevable aujourd'hui de connaître l'item stress respiratoire aigu que par le prisme d'un pneumologue, par exemple. Parce que le stress respiratoire aigu, ça peut être un OAP. Et un OAP, c'est un cardio qui rentre ça en charge. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en D4, vous allez commencer à faire des liens entre vos items, et des liens entre vos spécialités, ce qui rend plus facile à apprendre, plus facile à comprendre, et donc plus facile à travailler. Et aussi de façon plus, c'est plus, comment dire, satisfaisant. Et vous allez voir que des choses que vous jugiez inutiles avant, à votre premier tour, vont devenir plus utiles, plus compréhensibles, plus claires. Donc cette période, elle est dédiée à finir ce premier tour tranquillement, à être sur des bonnes bases solides et à être au taquet pour démarrer l'année. Qui dit période dit vacances. Vacances de Noël. Faites-vous un nouvel an, passez Noël en famille. Prenez-vous une semaine. Et encore une fois, une vraie semaine. Des vacances, c'est sans collège. C'est une semaine. Ça vous coûtera pas de place. En une semaine, vous ferez un collège de plus, un collège de moins. N'est pas un collège de plus, un collège de moins. Par contre, vous allez vous détendre, vous videz la tête, profitez de votre famille, que vous allez peut-être moins voir cette année-là, etc. Voir des amis qui sont hors médecine, éventuellement, faire le nouvel an avec eux. Chose importante. Faut être cool, faut savoir se libérer un petit peu. Alors, j'ai une petite question qui est très bonne, c'est est-ce qu'il faut travailler par item ou par collège? Moi, je travaillais par collège. Je ne faisais pas les thèmes. J'ouvrais le cahier cardio, page 1 jusqu'à la page 400 et hop, collège suivant. Maintenant, travailler par item, c'est une autre façon de voir les choses. Voyez ce qui vous convient le mieux. Moi, je trouvais que travailler par spé, c'était mieux parce qu'à force, je restais dans la spécialité, j'avais ma tête dedans. Et puis, quand je disais collège de bouche, je disais, ah oui, c'est un cahier cardio, machin, je faisais des liens comme ça. Maintenant, si vous préférez travailler par item parce que ça vous paraît mieux, why not? Why not? Mais ça peut être plus. Comment dire, plus redondant ou plus difficile peut-être. Vous voyez comment vous vous sentez. Troisième et quatrième période, il y a un petit décalage sur ma diapo, c'est pas grave. Ça va être le deuxième tour et les entraînements. C'est là où on va attaquer ce vrai deuxième tour. C'est-à-dire que premier tour, vous avez des bases. Un tour, c'est pas j'ai lu trois fois le collège de cardio, ça fait trois tours. Non. Un tour, c'est j'ai vu tous mes collèges, en tout cas les principaux. Mes bases sont là, elles existent, elles sont plus ou moins solides, ça dépend des personnes, ça dépend des matières, ça dépend de quand vous avez fait les choses, mais vous avez des bases. Vous allez sur ces bases construire, donc revoir les collèges. Essayez de revoir idéalement au moins une fois tous les collèges importants. On va faire la liste à la fin comme on a dit. Et surtout, 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 vous entraînez. Il est extrêmement important le fait de s'entraîner. C'est même primordial. On ne peut pas performer à l'ECN sans entraînement. Et je connais même des étudiants qui ont performé à l'ECN, pareil, ils ont vraiment performé à l'ECN, hein, on parle du top 200, et qui ont fait quasiment, ça peut être que des entraînements, que des DP, que des QI, que ça, que ça, que ça, que ça. Parce qu'ils avaient des bases très solides et parce qu'ils apprenaient comme ça. Mais c'est extrêmement important de s'entraîner, et plus on s'entraîne, pas enfin, plus on avance, pardon, plus vous s'entraînez. C'est-à-dire que globalement, en janvier, moi, je faisais un tiers d'entraînement, deux tiers de cours. À la fin, j'inversais le ratio. Deux tiers d'entraînement, un tiers de cours. Je réponds aux questions. Alors, est-ce qu'on devrait se fixer un nombre de jours, semaines par collège? Et si oui, combien environ? Non, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment des collèges.
Exemple, moi, j'adorais le collège de néphro médecine interne. Je pouvais les bouffer en 2 jours. Ça me plaisait. Je comprenais ce que c'était mon kiff. Tu mettais le collège de psychiatrie, qui est moins mon truc. J'avais plus de mal à le lire. Donc, ça va dépendre. Ça dépend aussi comment tu travailles. Moi, par exemple, je lisais beaucoup sur la répétition. Typiquement, moi, j'ai peut-être lu 10 fois le collège de cardio. Mais je le lisais. Je le lisais comme on lit un roman. Quasiment. Et c'est à force de le faire que ça rentrait. Il y a des gens, ils ont lu 2 fois le collège de cardio dans leur vie, ils connaissaient aussi bien le collège que moi, voire mieux. Ça dépend des gens. Mais du coup, ils passaient plus de temps dessus. Donc c'est vraiment votre rythme. C'est pour ça que j'aime pas le concept de tour. Ensuite, on m'a posé une question. Au premier tour, je considère qu'on a fait le tour du collège et plus des deux. Globalement, c'est ça. Premier tour, c'est l'ensemble des tours des collèges, plus éventuellement remettre un petit coup de frais sur les connaissances anciennes pour avoir des bonnes bases. C'est ce que je veux faire comme un premier tour. Mais ça ne veut pas dire j'ai lu X fois tel collège. Est-ce qu'il faut mélanger plusieurs matières dans la même journée pour ne pas se lasser? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout des matières que tu n'aimes pas éventuellement, tu peux les faire un peu en patchwork. Pourquoi pas? Moi, je ne faisais pas ça parce que je suis un peu bourrin et que moi, c'était une matière à la suite. Mais c'est absolument pas une mauvaise idée. Si vous trouvez que c'est plus facile pour vous de faire 2 collèges en même temps en les faisant en alternance, un matin, un après-midi ou un jour, si c'est mieux pour vous, why not? Ce qu'il y a éventuellement, c'est de faire des collèges qui se ressemblent, tant cardio-pneumo, néphro-uro, peut-être, pour justement rester un peu la même thématique. Alors ensuite, je continue les questions. Quand commencer les annales? Moi, je pense que c'est bien en mars-avril, les annales. Tu es assez avancé pour avoir des bonnes connaissances et pour te dire que c'est un peu représentatif, sans arriver à la fin saturée, mais il faut faire les annales. Ensuite, pour le collège, j'ai déjà répondu. Pour les entraînements, on va voir un peu lesquels on faisait, enfin, lesquels je vous conseille. Est-ce qu'il faut s'entraîner un peu par 1 et 2? Oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous avez raison. L'entraînement est important à toutes les périodes. C'est juste que plus on va vers la fin, plus il faut s'entraîner. Est-ce qu'il faut se sur la matière qu'on travaille? Alors moi, je pense que non. Je pense qu'au contraire, il faut s'entraîner sur les matières que l'on ne travaille pas en ce moment. Par exemple, si je fais la réflexion cette semaine-là, eh ben, je vais essayer de ne pas faire des DP d'infection. Justement, je vais me challenger sur les connaissances que j'ai faites depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir des moins bonnes notes. J'en suis bien convaincu. C'est-à-dire que si je vais faire la cardio, je fais un DP de cardio, ça va être plus facile. Mais je vais mieux retenir. Et je vais retenir de mes erreurs. Et en fait, les entraînements servent à ça. C'est à de vos erreurs. Si vous êtes 18 à un dossier, très bien, mais ça n'a aucun intérêt de le faire. À part pour l'ego et pour le moral, bien sûr. Mais sur le plan pédagogique, il vaut mieux se taper un bon 12 salé et apprendre plein de trucs que se taper un 18 trop cool, mais au final avoir rien appris et avoir entre guillemets perdu du temps. Donc moi, je les faisais comme ça. Et de la même façon, je ne calibrais pas mes révisions sur les conférences. J'avais mon programme de révision d'un côté, mon programme de conférence de l'autre, et ça croisait, bah ça croisait, tant mieux, ou tant pis, ça croisait pas, ça croisait pas. Je ne me focalisais pas là-dessus. Est-ce que faire plus de tours est un problème? Non, absolument pas. Comment travailler système redondant entre les collèges? Eh ben, il faut lire dans chaque collège. Par exemple, l'item HTA, bah, il est dans plein de collèges. Eh ben, vous le lisez dans plein de collèges. Vous verrez que c'est de façon en général plutôt ça se complète. Sachant qu'il y a des discordances entre les collèges, vous vous en foutez. Une discordance ne tombera pas à l'ESN ou sera annulée. Donc s'il y a une discordance, vous ne mettez pas Martel en tête. Et oubliez-la. Pour le premier tour, c'est par entraînement, j'ai déjà répondu oui. Des fiches. Les fiches, ça dépend vraiment des gens. Moi, je déteste les fiches, mais c'est très, très, très personnel. Il y a des gens qui bossent très bien avec et qui réussissent très bien avec. Ensuite, la nutrition, est-ce qu'il faut la bosser? Je pense qu'il faut la lire une fois, mais pas forcément s'attarder dessus. Les concours blancs avec Hermès, est-ce que ça traite toutes les matières? Oui, c'est aléatoire, comme un vrai concours blanc, comme un vrai concours. Tu ne sais pas ce que tu as à l'avance. C'est l'intérêt. On va parler des concours blancs après. Et enfin, dernière période, c'est les 2 dernières semaines avant l'ECN, et je vais vous expliquer comment les rentabiliser. Alors, l'Ovadois, j'avais déjà un petit peu répondu, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ça va dépendre de ton collège, de ton affinité pour le collège, de ta rapidité de lecture et de comment tu travailles.
Il ne faut pas commencer à se dire je fais squash en 3 jours, tu le feras en 4, tu le feras en 2, peu importe. À mon sens, faut, voilà. Puis il y a des jours plus avec, il y a des jours sans, ce n'est pas grave. Période 3, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai mis. Je conseille une petite semaine de vacances en période numéro 3 pour vous détendre un petit peu. En général, avril, c'est la bonne période parce qu'il commence à faire joli, il fait beau. On n'est pas encore dans la dernière ligne droite qui va être mai et début juin, mais on est un peu vanné de cette période numéro 3. C'est une petite semaine de vacances, histoire de vous reposer. Encore une fois, c'est culpabilisant les vacances, je le sais, parce que j'étais à votre place, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on ne travaille pas, on culpabilise. Mais en fait, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous investissez une perte de révision de 7 jours pour derrière être beaucoup plus efficace et beaucoup mieux moralement. Et en fait, s'acharner quand on n'est pas bien moralement, ça ne marche pas. Donc, je vous conseille de prendre une semaine de vacances, une vraie semaine de vacances. Ça ne vous coûtera pas de place, ça ne va vous faire que gagner. Prévoir l'ordre des collèges, oui, vous pouvez faire une liste. Moi, j'avais une liste de l'ordre. J'avais fait dans un ordre, mais totalement arbitraire. Je n'avais pas. Ce que je faisais, c'est j'alternais par contre des collèges que j'aimais moins avec ceux que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire que je manquais pas deux collèges que j'aimais pas, par exemple. Ou deux gros collèges. Je ne me faisais pas pédiatrie et je ne sais pas, rhumato qui faisait 100 pages, quoi, par exemple. Si je faisais la pédiatrie. C'est-à-dire un collège qui était relativement court, où j'aimais beaucoup. Vous voyez, pour justement alterner collège long, collège court, collège que j'aime pas. Alors, je ne faisais pas les confs de ma fac pour la bonne raison que je ne les trouvais pas d'une très bonne qualité. Mais après, si vous avez une fac qui propose des très bonnes conférences, allez-y. Ce n'est pas du tout un problème. Plus vous entraînez, mieux c'est. Et si c'est gratuit, c'est encore mieux. Chloé, je vais en parler juste après. De la semaine type. Donc, je te répondrai après. J'avance un petit peu. Hop, parce qu'après le CN, c'est les vacances. Et ça, c'est vraiment trop cool le post-CN. On en parlera aussi. Donc, la partie 1, j'ai déjà un petit peu dit, donc je vais passer vite là-dessus. Se remettre au goût du jour, commencer à faire les partiels de D4, vraies vacances, sans collège. Période 2, ce qu'on avait dit, commencer un peu les entraînements. Se prendre une semaine de vacances, etc. Je passe, c'est ce que j'ai dit à l'oral, c'est pour que vous ayez les diapos, que vous les ayez après, que vous puissiez commencer à relire. Période 3, on va augmenter le nombre des entraînements, faire les annales, comme on l'a dit. En général, avril, c'est une bonne période. Faire des concours blancs, on va reparler, une semaine de vacances. Et là où je veux insister au moment, c'est les 2 dernières semaines. Ces 2 dernières semaines, elles sont clés. Elles sont clés et difficiles parce que c'est là où on se dit, j'ai plus le temps de refaire un tour ou de réviser. Mais en même temps, je ne veux pas les passer à glander parce que c'est le dernier moment, c'est la dernière ligne droite, c'est le sprint final. Donc, comment les rentabiliser? Et en fait, ces 2 dernières semaines, elles se préparent pendant toute votre D4. C'est-à-dire que ces 2 dernières semaines, elles doivent être dédiées à des choses ciblées. La première, c'était les révisions ciblées. Moi, ce que j'avais fait, c'est toute l'année, j'avais un petit carnet. Et je notais un petit carnet. Plusieurs choses. Un, les items que vraiment j'arrivais pas. Typiquement, je prends un exemple, c'est la fibrillation auriculaire ou atriale, peu importe. Quand j'étais en D4 ou en D3, ça ne voulait pas rentrer, ça ne marchait pas. Je ne comprenais rien à cet item. Voilà, c'était mon point faible. Et ben, je l'avais noté et je l'avais révisé dans les derniers jours avant le CN en mode tu comprends pas, et ben, tu apprends par cœur bêtement les quelques jours qui vont avant, c'est en mémoire immédiate et voilà, tu passes. Pareil pour les notions. Ce n'est pas forcément un item entier, ça peut être une notion. Par exemple, je ne sais pas, moi, une notion que je ne retenais pas forcément. Pas, typiquement, je vais dire tout bête. Comment on faisait une hospitalisation à la demande d'un tiers? C'est une partie de l'item de psychiatrie. Mais alors, ça ne voulait pas rentrer. Et ben, je relisais là. Et pareil, des trucs par cœur relous. Alors, vraiment, les TNM sont passés en rang C et il y a eu très peu de TNM à l'ECN. Autrement, ce n'est pas trop un problème. Mais par exemple, les critères d'hospite du PALU sont tombés 2 fois à l'ECN, 2021 et 2019. Donc, il faut les connaître. Mais c'est chiant. Pas la gravité du PALUisme, c'est relou. Donc, moi, je les apprenais vraiment les derniers jours près à l'ECN, un peu en mode mémoire immédiate, et puis je les oubliais après. Pareil, tout au long de l'année, bah, j'avais noté les dossiers ou les conférences qui m'avaient beaucoup plu, où vraiment je me suis dit, ça, c'est un dossier vraiment typique de Parkinson. Moi, c'est l'exemple que j'avais en tête. J'avais un très bon conférencier de neuro, Nicolas Mellet,
qui était à l'époque Hermès. Je crois qu'il n'est plus Hermès, mais peu importe. Je ne suis même pas certain. Qui avait fait un super dossier de Parkinson. Genre vraiment, la physio, la sémio, la clinique, le traitement, les complications, machin, etc. Je le trouvais nickel ce dossier. Et ben, je l'avais relu en mode je reprends le dossier, je relis la correction, les petits points qui m'avaient aidé, etc. avant le CN. Un peu en mode c'est le dossier typique. Si ça tombe, ça tombera probablement comme ça. Voilà, j'ai tout dedans, basta. Et enfin, un truc qui est hyper, hyper, hyper important, c'est que vous devez vous reposer pendant cette période. Il est hors de question, à mon sens, de travailler 12 heures par jour les 15 derniers jours. Reposez-vous, dormez-vous, dormez, pardon, parce qu'il est clair et net que avant le CN et pendant le CN, vous dormirez mal. La veille, vous dormirez probablement très mal, et les jours de le CN, vous dormirez probablement mal aussi. Et si vous arrivez déjà fatigué à le CN, vous allez faire des erreurs d'intention. Vous allez perdre des places alors que vous connaissez vous avez les connaissances. Donc vraiment, reposez-vous. Mettez de l'énergie en stock et ça va vous aider. Pour la suite, j'ai une question en privé à laquelle je répondrai un tout petit peu après. Et Mathieu, on va en parler un tout petit peu après aussi. Et j'ai une question aussi en privé. Est-ce qu'on aura mon diapo? Oui, on aura mon diapo. Il n'y a pas de problème, je le donnerai sans aucun souci. Il est fait pour vous. Les entraînements. Quelles sont les sources d'entraînement et quelles sont celles qui sont intéressantes? À mon sens, c'est bien d'avoir une conférence hebdomadaire présentielle ou en ligne. Moi, je suis présentiel, parce que ça te fait bouger, ça fait sortir son appartement, ça fait voir des gens, et discuter avec des gens, des amis, souvent, c'est plutôt cool. Moi, je faisais des confs, bah, à l'époque, je faisais Amiens-Paris en voiture, mais je faisais avec des potes. On faisait le trajet ensemble, on discutait, on allait bouffer un bout, enfin, c'était un peu bonne ambiance et ça me sortait de chez moi. Maintenant, si vous préférez le en ligne, ça marche aussi. Mais à mon sens, il faut une conférence hebdomadaire, quelle qu'elle soit, hein. C'est-à-dire que là, je ne parle pas forcément d'Hermès. Je parle de n'importe quelle conférence. Si c'est la conf de votre fac, c'est la conf de votre fac. Peu importe. Mais cette conférence, elle a un effet jalon. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous avez votre entraînement. Vous savez que vous entraînerez. Vous savez que vous avez une spécialité par semaine que vous allez revoir, au moins sous format d'entraînement. Ça vous fait sortir et vous discutez avec quelqu'un qui connaît bien le CN, qui connaît bien sa spécialité. Pour être conférencier, hein, il faut avoir un certain dossier, un certain CV, comme on dit. Donc en général, un conférencier, quand il vous dit un truc, c'est qu'il s'y connaît, qu'il a étudié le truc. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un à discuter. À côté de ça, je pense qu'il faut avoir une base de QCM. C'est une banque de QCM. Ça s'appelle du binge QCM. Alors, le terme est un peu provocateur, hein, c'est fait exprès. Mais je pense qu'au-delà de l'entraînement bien fait, on va prendre son temps avec la conférence hebdomadaire. Il faut aussi bouffer du QCM, bouffer du dossier, bouffer de la QI. Et pour ça, il faut des banques de QCM. Vous en avez une sur Hermès et vous en avez aussi d'autres banques. La plus connue, je ne fais pas de pub, hein, je n'y travaille pas, c'est ECNI.fr, qui est la plus connue à mon sens, avec la banque d'UNES. Le truc, par contre, qui est important, c'est que ces questions, tous ces QCM, vous devez absolument les faire avec une correction. Donc, il faut absolument, 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 absolument que vous ayez une correction. S'il n'y a pas de correction, ça ne sert à rien. Absolument, absolument, absolument. Donc, si c'est une S, parfois, marche pas trop. Si DES, ça dépend, c'est des corrections. Alors, je pose une petite question. Mais comment ça s'intéresse sur les conférences ou les adaptations de profil? Alors, la masterclass, je vais y répondre de façon détaillée. Les conférences, ça va dépendre de toi. Ça dépend de ta personne. Moi, je sais que je suis comme ça, j'aime bien le présentiel. Maintenant, ça dépend de qui est qui. Après, vous avez d'autres sources de QCM. Il y a des livres de QCM, il y a des collèges. Personnellement, ça va répondre en même temps à la question qui est dans le chat. Je ne suis pas très friand de ces sources de QCM. Pourquoi? Alors, pas forcément pour la qualité. Je pense qu'il y en a qui sont très bien. Mais surtout parce que du coup, ce n'est pas le format que vous aurez à l'ECN. En fait, faire un DP sur papier et un DP sur ordinateur ou tablette, pour moi, c'est différent. Et je me dis que tant qu'à faire, autant se rapprocher du vrai format. Mais c'est personnel. Moi, je ne suis pas très fan de ces sources. Un entraînement, ça s'optimise.
C'est comme un coureur. Non, je pense que ce n'est pas intéressant à faire pour la question en privé à laquelle je viens de répondre. Donc, un entraînement, c'est comme un coureur, c'est comme un marathonien. Il faut optimiser l'entraînement, comme un bodybuilder, c'est pareil. À l'ECN, c'est 6 DP à la suite pour l'instant. Donc, il faut vous entraîner à faire des DP en série. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire un DP, enfin, ça sert à rien. C'est moins performant de faire un dossier, puis de faire autre chose, que de faire 2, 3, 4 dossiers à la suite. Pour ceux à qui ça parlera, c'est beaucoup plus rentable de faire 3 ou 4 séries de 20 pompes que de faire une série de 30 pompes ou de 40 pompes. Et bien, c'est pareil pour le cerveau. Pourquoi? Parce qu'à l'ECN, vous allez varier très vite entre plusieurs DP. Et si vous apprenez comme ça à switcher, bah c'est mieux. Vous serez plus fort. Pareil pour les QI. Les QI, c'est 120 QI à la suite à l'ECN. C'est extrêmement difficile sur le plan cognitif. Une QI, une situation clinique. Vous devez changer 120 fois de situation clinique d'éléments. C'est très, très compliqué. Il faut vous entraîner à ça. Vous entraînez votre cerveau à switcher d'une question à l'autre et à pas fatiguer. Et pour ça, faire des séries de QI. Faire 10 QI, ça rien. Pour faire minimum 50 à la suite, à mon sens, idéalement 100. Et pour répondre pour la LCA, pour s'entraîner et être bon en LCA, il faut faire, à mon sens, un article toutes les 2 semaines. Ce qui va vite, hein, entre les concours blancs, etc., etc., on a vite fait un article toutes les 2 semaines. L'idée étant aussi en LCA d'apprendre comment se construisent des textes scientifiques, donc de chercher l'information plus rapidement, mais aussi de être meilleur en anglais et d'avoir un peu une idée des questions types qui tombent. Les concours blancs, à mon sens, pour en faire le maximum, surtout ceux que vous ne payez pas. Les concours blancs, il faut les faire dans les conditions de l'ECNI. C'est-à-dire que si vous avez une session de 6 DP, bah vous commencez la session à 9h-10h. Vous la finissez 3 heures plus tard et pendant cette session, vous ne faites pas de pause, à part la pause pipi, quoi. Et vous n'allez pas faire un DP, puis vous allez vous faire un chocolat, un DP, puis vous allez faire popo, un DP, puis vous faire à manger, un DP, aller sur Vinted. Non, il faut faire les 6 DP à la suite, avec éventuellement la pause pipi, comme à l'ECN. Habituez votre corps aux conditions de l'ECN. Un marathonien, il a déjà couru ses 40 km avant de faire le marathon. Eh bien, c'est pareil pour vous. Réussir le concours de l'ECN, il faut être en condition. Et de façon importante, s'entraîner aux nouvelles modalités si elles sont développées, comme on disait. Je réponds rapidement aux questions. Alors, donc ça, j'ai déjà répondu. Quel livre comme support pour l'entraînement? Alors, j'avoue, je n'ai pas trop de livres à conseiller parce que je ne les connais pas très bien. Donc, je ne vais pas vous faire de pub, je ne connais pas. Est-ce que du coup une aide beaucoup d'être bien travaillé, s'attarder dessus au vu de la plateforme et de plein de questions qui ne sont pas corrigées, surtout sur la plateforme, j'aurais remis cette théorie. Mon conseil, encore une fois, c'est si vous avez une plateforme qui ne propose pas de correction, ce n'est pas intéressant. Faire un DP sans les corrections, c'est dommage. Si vous devez vous-même aller chercher la correction, vous allez perdre du temps, et parfois c'est juste une erreur de coche. Vous allez perdre du temps à prendre des choses fausses. Non. Il faut une correction. Donc concentrez-vous sur les plateformes qui offrent des corrections, celles que vous voulez. Donc pour les collèges, abrégé est très bien classé. Je ne connais pas très bien ce bouquin, donc je ne vais pas en faire la pub. Est-ce qu'on fait des QI DP de même matière ou de matières différentes? On peut faire des petits blocs de matière, par exemple 2 DP d'infectio, 2 DP de cardio, 2 DP de pneumo, par exemple, ça peut être bien. Est-ce que j'ai l'impression que j'avais assez de temps en D2, D3 entre les stages et les premiers tours? Est-ce que c'est normal d'arriver en D4 en ne sentant pas beaucoup entraîné? Oui, c'est normal. L'entraînement, c'est surtout la D4. Donc D2, D3, c'est plus. Moi, D2, je m'entraînais quasiment pas. D3, j'avais commencé les confs, je faisais que les confs, donc une ou deux par semaine pour m'entraîner. Et D4, c'est là où j'ai carburé. Donc c'est normal. Et oui, il faut prendre des vacances. Pour les annales, en source, vous avez Hermès. Donc je ne vais pas dire que c'est une très bonne source, mais c'est moi qui les ai corrigés, donc c'est une très bonne source. Sinon, il y a le bouquin des très bien classés qui est plutôt bien pour les annales. Ouais, j'essaie de répéter les questions. Parfois, je ne fais pas gaffe. Si ce n'est pas le cas, dites-moi. Mais on me posait comme question est-ce qu'il fallait prendre une semaine de vacances, une semaine de vacances, pardon. Si on a un stage très prenant, oui, il faut quand même prendre des vacances.
Ensuite, le choix des stages. Justement, la transition était toute trouvée. Alors, j'avais déjà répondu pour les entraînements en fin des collèges. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas forcément très bons. Donc, si vous avez le temps, faites-les. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Moi, je trouve en général pas excellent. Et souvent un peu vieux, pas forcément adapté. Donc, pour les stages, il n'y a pas règle d'or. Moi, ce que je vous propose, c'est d'éviter les stages que j'appelle sans valeur ajoutée. C'est-à-dire des stages en dehors de l'ECN. Par exemple, la chirplastique pour l'ECN, ce n'est pas le top. Ça va pas vous apporter beaucoup de connaissances. Choisissez plutôt des spécialités qui vont apporter des connaissances. Cardio, rhumato, médecine interne, infectio, urgence, choses qui sont utiles. Ou alors des stages dans une spé à laquelle vous ne vous projetez pas. Typiquement, je vous prends mon exemple, la chirplastique, c'est ce que vous voulez faire. Oui, il faut y passer. C'est pas grave. Faites-vous plaisir. C'est une spé qui vous intéresse. Par contre, si la chirplastique vous intéresse pas du tout et qu'en plus de ça n'a pas de valeur ajoutée pour l'ECN, peut-être pas le meilleur stage. Évitez les stages avec une mauvaise ambiance. En D4, vous allez être un peu à fleur de peau. Si vous avez un CCA qui est tyrannique et qui veut vous rester qu'à 14 heures pour faire des pancartes, c'est quand même pas cool. Donc, privilégiez les stages dans des matières importantes où vous maîtrisez mal. Si vous êtes une bille en cardio, passez en cardio. Vous allez souffrir un petit peu pendant votre stage parce que vous allez avoir des connaissances à acquérir, mais au final, vous aurez acquis ces connaissances. Et évidemment, si vous faites des demi-journées à l'hôpital, évitez les stages où vous finissez à 15 heures. Ça fait toujours mal. Faites des stages dans les spé qui vous plaisent, qui vous donnent envie. Il n'y a rien de pire que de dire, putain, ça me fait chier, je passe dans une spé, ça ne me dit rien du tout, c'est chiant, c'est nul. C'est un truc qui vous plaît. Attention aux stages planqués. Alors, je sais que on se dit de façon assez facilement, je vais prendre que des stages planqués, ça, j'aurai du temps pour réviser. Mais ce n'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée parce que les stages, c'est une façon de voir les connaissances différemment. Ce n'est pas des moments où on n'apprend pas les stages. On apprend différemment. Et ça vous sert aussi à souffler. Parce que les journées BU de 12 heures, c'est éclatant, ça. Donc, faites des stages qui vous plaisent, qui vous apportent des choses. Si sur 3-4 stages, vous faites un stage planqué, ce n'est pas grave. Au contraire. Mais si vous faites que ça et que vous n'allez jamais en stage, vous allez en pâtir et vous allez pas forcément gagner de place, au contraire, vous allez en perdre. Donc, c'est important d'être bien raccord là-dessus. Je vous propose ici, et pour répondre un peu aux questions que vous aviez, une semaine type, qui était un peu ma semaine à moi. Alors, elle est modulable, hein, si vous avez stage la journée, toute la journée, et que vous avez des périodes de off, vous faites ce que vous voulez, quoi. Alors, journée complète, c'est différent. Si tu seras à 18, 19 heures, ça va, c'est journée complète. Si tu seras à 22 heures, c'est qu'un problème. Donc, semaine type pour stage demi-journée, qui est en général le plus classique. Bah, stage le matin, révision l'après-midi. Moi, je travaillais comme ça. Stage le matin, je révisais l'après-midi à la BU. Et le soir, je faisais des QCM. Parce que je ne vais pas faire des QCM à la BU. Donc, ça, c'est très, très personnel. Par contre, je ne faisais pas des QCM tous les soirs. C'était des soirs où je me reposais, où j'allais mater une série, où j'allais faire un ciné, où je voyais des potes. Parce qu'il faut garder du temps pour soi. Ou j'allais faire du sport. Donc, gardez-vous une soirée ou deux par semaine où vous faites autre chose que réviser. Truc hyper, hyper, hyper important, c'est que si vous avez des confs, présentiels ou distanciels, il ne faut pas venir en conf sans avoir fait le sujet. Vous perdez tout le bénéfice d'une conférence. Alors, j'exagère, ce n'est pas tout le bénéfice, ce n'est pas une grosse partie du bénéfice d'une conférence. Il faut que vous ayez venu en conférence en ayant préparé cette conférence. Donc, il faut y avoir fait les sujets. Ensuite, il y a un temps dédié à la conf. Et puis, vous voyez, le week-end, vous avez le temps de vous reposer un petit peu et de respirer un petit peu. Moi, mon dimanche, par exemple, je n'avais jamais à travailler sur des collèges. Je ne faisais que des QCM. C'était mon temps à moi. Il faut faire votre semaine type. Est-ce que ECN Planner, c'est bien pour une semaine? Je ne connais pas ECN Planner. Moi, je le faisais à l'ancienne avec mon petit calendrier à moi. Pour répondre à Thomas, les stages, très stage dépendant, très fac dépendant. Il y a des stages où les stages vont être super cool, vous partez à midi, il y en a où ils s'en foutent complètement, il n'y a pas de loi. Justement, la décale, c'est une année qui est compliquée. Donc, c'est une année pour laquelle il faut pas ne faire que bosser, il faut se garder du temps pour soi. Donc, il faut faire des pauses, et des pauses en dehors de la médecine.
Ces pauses, c'est comme tout. Ça doit être régulier, mais bien maîtrisé. Il est clair que si vos pauses, c'est d'aller picoler au bar, ce n'est pas une bonne idée. L'alcool, c'est la pire idée pour un D4. Ça vous flingue les neurones pendant 3-4 jours, vous êtes incapable d'apprendre pendant 3-4 jours. En plus d'aller attaquer les connaissances que vous avez déjà. Donc, ce n'est clairement pas du tout une bonne idée. Par contre, faire un bowling, faire, je sais pas moi, le cinéma, faire un truc avec des potes, une soirée avec des potes, sans vous bourrer la gueule, c'est une bonne idée. Dormir et manger. C'est-à-dire que si vous êtes en dormir 8 heures, vous dormez 8 heures. Les gens qui disent je serai à 4 heures du matin, je vais à 6 heures et je rebosse, c'est des mythos. Ou des mecs, vous en faites. Vous dormez. S'il faut dormir 8 heures, il faut dormir 8 heures. Si vous devez dormir plus de 8 heures, il faut voir un médecin du sommeil. C'est pas normal. Mais si vous dormez 8-9 heures, vous dormez 8-9 heures. C'est pas grave. Manger. Il ne faut pas commencer à dire c'est la D4, je prends du temps à pas manger. Je vais faire une conserve dégueulasse ou faire du Deliveroo. Non. Si vous aimez cuisiner, cuisinez. Mangez sainement. Mangez des trucs normalement, j'ai envie de dire. En fait. Faites-vous des restos, ce n'est pas des restos. Faites votre domac, ce n'est pas votre domac. Mais faites aussi votre salade, ce n'est pas votre salade. Mangez. Mangez et dormez de façon régulière. Travailler à plusieurs, je trouve que c'est bien. En général, on a toujours un petit groupe de potes avec qui on bosse et c'est vachement entraînant. Moi, par exemple, j'avais un groupe de potes avec qui je bossais à la BU. Et ben en fait, ça motivait parce que le jour où je voulais pas aller à la BU, et ben j'allais quand même. Parce que j'avais mes potes qui étaient là-bas. Je me suis dit, bah, c'est cool, je vais faire ma pause café, je vais les voir. Et puis, en plus, je ne vais pas les lâcher, quoi, c'est pas cool. Et puis le jour où c'est moi qui y étais et qui n'étais pas motivé, et ben ils venaient. Vous passez des sous-colles, ça vous pose des questions entre vous. Discutez, qu'est-ce que tu as compris de tel sujet, tel item. Et vous allez dans un groupe de potes, vous avez des forces et des faiblesses. Et ben c'est très bien. Si votre pote est super fort en cardio, demandez-lui, vous expliquez la cardio. Vous êtes peut-être très fort en neuro, vous lui expliquerez l'uro. Ses potes, ça peut être des potes de l'année d'en dessous. Si c'est des D3, c'est pas grave. Moi, j'avais deux potes en D3, et ben c'était super. Parce qu'ils me posaient plein de questions sur plein d'items. Du coup, j'avais pu leur expliquer plein de trucs. Et comme je devais leur expliquer, et ben ça ancrait en moi les connaissances et je les aidais beaucoup. Et enfin, se projeter pour tenir rien de tel que de voir le après. Qu'est-ce que je vais faire après le SN? Faites-vous une liste. Je vais partir dans telle ville. Je vais faire telle chose. Je vais sauter à l'élastique. Je vais faire un saut parachute. Je vais faire le tour du monde. Et se prévoir des bonnes vacances. Prévoyez-vous des vraies vacances post-SN. Partez. S'il faut emprunter un peu d'argent à la banque pour partir, c'est pas grave. Faites-le. Ce n'est pas un problème. Je réponds aux questions. Alors. La LCA, je dirais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Il faut faire le cours régulièrement. Je pense une fois toutes les 2 semaines, réviser un petit peu le cours rapido, si ça va vite, pas de mauvaise idée. Et puis faire, comme je le disais, un texte au moins tous les 15 jours. Mais avec les concours blancs, les conférences, ça vient vite. Préparer une conférence, ça veut juste dire avoir fait le sujet. C'est-à-dire que. Si vous avez 4 DP de médecine interne pour Hermès, par exemple, et ben dans ces cas-là, vous avez fait vos 4 dossiers sur la plateforme ou pas, mais vous avez préparé vos dossiers. Ça veut dire ça. Pas forcément dire le collège. Ça veut dire j'ai préparé mes dossiers, j'arrive, j'ai répondu aux questions. Et j'ai plus de la correction à faire. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'arriver en conf en n'ayant pas fait un dossier et de découvrir le dossier avec le conférencier. Ça va vite, on ne suit pas, on ne s'est pas trompé, donc on n'apprend pas. Ensuite. En termes d'horaire par jour, encore une fois, je n'ai pas d'horaire à vous donner, ça dépend de vous. Moi, je pense que si vous bossez 10 heures par jour, vous êtes déjà mais au taquet, quoi. C'est beaucoup 10 heures par jour. On ne se rend pas compte, mais 10 heures par jour, c'est beaucoup. Donc, si vous travaillez 8 heures, mais vraiment 8 heures, c'est très bien aussi. Ça dépend de vous. Vous ne mettez pas en pression des horaires, des machins, etc. Vous êtes tous différents les uns des autres. Et bon, encore une fois, hein, si vous commencez à bosser à 8 heures, vous finissez à minuit. Et vous avez 4 pauses café, 3 pauses repas, etc. C'est pas possible. Quand je dis 10 heures par jour, hein, je compte le stage dedans. Je compte les stages, hein, je dis 10 heures par jour. Ensuite, le temps pour la pause déj, pareil. Des fois, c'est une pause déj d'une demi-heure, des fois, c'est une pause déj de 2 heures. Ça dépend. Vous ne mettez pas des trucs fixés en tête. S'il vous faut 1 heure pour manger, prenez 1 heure pour manger. Si vous êtes hyper efficace après, ça vaut le coup. Le sport, je pense, moi, une fois, même le mieux, 2 fois par semaine, c'est bien. Mais encore une fois, des gens plus sportifs que d'autres. Et des gens qui sont sportifs pro ou semi-pro qui font 3 fois du sport par semaine. C'est pas grave. Si vous n'êtes pas sportif et que votre truc, c'est plutôt la PS5, et bien vous faites des sessions de PS5. C'est pas grave. C'est pas un problème.
Un support de cours pour la LCA, alors sans faire de pub, il y a celui de Paris 5 qui est très bien et qui est facilement occupé sur Internet. Je pense que c'est le mieux, à mon sens. Les sous-cols, il n'y a pas de règles pour répondre aux questions Donc, comment faire des sous-cols? Par exemple, faire des DP à plusieurs et à combien de personnes maximum? Les sous-cols, il n'y a pas de règles, hein. Ça peut être faire des DP à plusieurs, ça peut être corriger des concours blancs à plusieurs, par exemple. Ça, c'est une très bonne façon de faire des sous-cols. Ça peut être juste poser des questions entre soi. Par contre, je pense qu'un maximum, je pense qu'une bonne sous-colle, c'est 4-5 personnes. Au-delà, c'est trop, et en dessous, c'est pas bien. Et pareil, choisissez vos sous-colleurs, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un très bon pote, mais que lui, le sait, il s'en fout, et il a le droit de s'en foutre, il peut vous ralentir. D'accord? Quand je corrigeais un DP, est-ce que je refaisais l'item entier? Non, pas forcément. Ça dépendait. Si j'avais très bien réussi le DP et que la correction me suffisait, je ne relisais pas l'item. Par contre, si je voyais que j'étais à la ramasse sur le DP, ouais, je relisais l'item. Ça dépend. Petit point coaching pour terminer. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la conférence, je suis le coach à Hermès. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe éventuellement de faire ce que je fais là, c'est-à-dire répondre à vos questions sur la méthodo, sur les conseils, sur l'orientation. Donc, je suis disponible et il y a mon mail sur les diapos. Il est en première page, il est là. Vous pouvez m'envoyer un mail sans aucun problème. Je réponds en général relativement vite et je suis là pour ça. Je réponds bien sûr aussi aux questions de médecine infectieuse, vu que c'est moi qui fais les groupes. Est-ce qu'il faut adapter la révision des collèges en fonction des sujets de conférence? Non, moi je pense qu'au contraire, il ne faut pas faire les révisions en fonction des conférences. Il vaut mieux faire une conférence à blanc, c'est-à-dire sans avoir révisé avant et se planter et apprendre, plutôt que de la faire dans hyper préparée et du coup de la réussir et d'avoir rien retenu. Mettez-vous toujours la condition de l'ECN. La question de l'ECN, vous n'aurez pas révisé les items la veille. Vous les aurez révisés parfois 3-4 mois avant. Et bien les conférences vous mettent dans les mêmes disponibilités. Donc les moins bonnes disponibilités pourront tirer et en apprendre les maximums. Hermès, c'est une conférence par semaine. Oui, c'est une conférence par semaine pour les villes hors Paris. Et Paris, ça monte à parfois deux, ça dépend. C'est quoi la stratégie, le mindset à avoir si on fait un entraînement ou un DP, et surtout si on a déjà fait la matière et qu'on le rate totalement? Est-ce qu'on change son planning? Non, on ne change pas son planning, on continue comme ça. Éventuellement, on se refait l'item, ou alors on le note dans un petit carnet pour le réviser à la fin, mais ce n'est pas grave. On peut se planter à un DP et pas être mauvais. Moi, il y a des conférences où je me suis planté. Et pourtant, je pensais être très bon en cette matière, je me suis planté. Ça arrive, ça fait mal. On n'est pas très bien, mais on apprend beaucoup. Comment interpréter les classements aux conférences Hermès? Alors, quelles que soient les conférences, dès le moment où elles sont faites à distance, hein, donc ce n'est pas dans une salle, c'est peut-être chez vous, il y a forcément des gens qui le font avec le collège sur les genoux. Donc, les classements, moi, je serai vous, je m'en foutrais un petit peu. L'intérêt, surtout, de faire des conférences, c'est de mettre en condition et d'apprendre. Le fait de devoir relire les nouveaux collèges en R2C, ça va être beaucoup plus long, non? Non, parce que c'est les mêmes collèges, hein, ils ont juste été. Alors, excuse-moi, je lis la question entièrement. Le fait de devoir relire les nouveaux collèges en R2C, ça va être beaucoup plus long, non? Parce qu'on va être obligé de changer notre support par rapport à la D2, D3. Les collèges du R2C, hein, c'est les mêmes collèges qui ont été raccourcis, hein, mais c'est les mêmes items, enfin, les mêmes connaissances dedans. Donc, vous allez juste apprendre moins, mais vous n'allez pas apprendre différemment. Combien d'items par jour pour réussir à bloquer le premier tour dans les temps? Je n'ai pas de réponse à te donner, ça va dépendre de comment tu travailles. Etc. Donc ça, j'ai pas de réponse. Le petit carnet, c'est ce que je disais, c'est que moi, je notais tout au long de l'année les items, ce que j'arrivais pas, les notions qui m'échappent, auxquelles je suis mauvais, et les dossiers ou questions qui m'aidaient, ou les conférences qui m'aidaient beaucoup, beaucoup, que j'avais trouvé très bien pour les réviser dans les 15 derniers jours. C'était un peu mon livre de ce qu'il faut que je révise les 15 derniers jours. Je vous propose, du coup, comme on avait dit, de corriger ensemble un dossier. Et de voir un petit peu comment résoudre devant un dossier et comment réussir au mieux. C'est le DP 14 de l'ECN 2018 et je vous préviens par avance, il est volontairement très dur. On va le faire ensemble. Vous avez ici un énoncé. Un homme de 41 ans qui est adressé le 24 décembre aux urgences pour fièvre, AMG, détresse respiratoire aiguë. Il a une HT à traiter, il a un autisme chronique sevrée depuis 2007, en 2018 à l'époque, plus de 2 ans. L'histoire débute 2 semaines avant par une toux rebelle symptomatique traitée par Augmentin de façon
non efficace, avec des diarrhées et une dyspnée d'effort depuis 3 jours. Son état s'est très rapidement dégradé la nuit précédente, avec des respiratoires aigus. À l'arrivée, il est marbré, cyanosé. Il a des frissons, une fièvre, une fréquence respi importante, une fréquence cardiaque qui est importante aussi, une pression artérielle qui se maintient et un Glasgow score à 13. Juste pour répondre, pour les recos, c'est jusqu'à 2000, jusqu'au 31 décembre 2022. Étape 1, vous avez un énoncé, vous posez sur l'énoncé. Vous devez absolument analyser l'énoncé de l'ECN. C'est le temps clé de n'importe quel dossier de l'ECN. Vous devez absolument prendre le temps de recueillir les éléments. Déjà, vous dire vers quel type de spécialité on m'amène. C'est de la pneumo, de la cardio, de l'uro, de la néphro, de la neuro. Ça, avec l'énoncé et l'expérience, on arrive à s'en rendre compte très rapidement. Ensuite, c'est qui mon patient? C'est un homme, c'est une femme, il est jeune, il est vieux, il a un terrain particulier, il a des comorbidités, des antécédents à noter qui vont être importants. Ensuite, la gravité. Est-ce que mon patient il est grave? Est-ce que c'est un dossier de salle tranquille ou bilou, voire d'ambulatoire? Ou est-ce que c'est un dossier de réanimation? Parce que du coup, ce n'est plus du tout les mêmes recommandations. La réa, c'est très pragmatique. Ça va être l'antibiothérapie large spectre. La salle, c'est beaucoup plus ciblé. Donc pour ça, on va s'aider. En infectiologie, c'est le quick sofa. Quick sofa à 2 ou 3 égale grave, égale appel réanimateur. L'état respiratoire. On a un patient là qui a 43 de fréquence respiratoire, qui est en dyspnée aiguë. Il est grave, le Glasgow. On sent qu'il y a un Glasgow altéré. Ce n'est pas normal. Puis ensuite, les infos utiles. On vous donne une date. Bizarre. On vous donne une heure, un lieu, des voyages. Ces infos ne sont pas là pour rien. Si on vous donne une date, on veut cibler une période épidémique. 24 décembre 2018, il fallait penser grippe. On est en pleine période de grippe. Une heure. Un patient a présenté un déficit brutal à 12h30. C'est un dossier d'AVC. On vous met une heure. On va vous mettre toute une chronologie. Il faudra, selon la timeline, thromboliser pas votre patient. Le lieu de prise en charge. Si je prends un patient à Paris ou au Gabon, c'est pas tout de la même façon. Les voyages. Si un patient a voyagé, il faut faire gaffe au PAHU, par exemple, mais éventuellement à déparasiter les patients de l'anguillulose avant une corticothérapie. ECN 2018. Ensuite, plus simplement, pourquoi le patient y vient? Quelle est la maladie et ses symptômes? Et de tout ça, il faut absolument sortir une synthèse, une phrase. Je résume mon dossier clinique en une phrase qui est cette phrase qui va me guider. Pour ce dossier. Prenons un exemple. Ici, on a de la fièvre, un patient respiratoire aigu qui s'est rapidement dégradé. Donc, fièvre infectieuse, plus souvent, respiratoire aigu, réa, rapidement dégradé, réa. Dossier, très probablement, réa infectio ou pneumo-infectio réa. Notre thématique, elle est là. Le terrain, un homme jeune, une HTA traitée, qu'on va très vite sortir du coup de notre équation, parce que acheter à traiter, ça ne donne pas trop d'infos. Par contre, ancien alcoolique, ancien éthylique, pardon. OK. Patient éthylique, atteinte respiratoire, on sait que l'éthylisme augmente le risque de pneumocoque, augmente le risque de légionellose. C'est qu'il y a des comportements à risque. OK, on se note ça. Ce n'est pas bénin. Il est grave. Il est très grave. Stress respiratoire aigu, rapidement dégradé. On vous redit respiratoire aigu. Il est marbré, il est cyanosé, il est tachypnique, il est tachycardique. Il a un Glasgow à 13. Si on fait le quick sofa ici, la tension artérielle est à plus de 100, ça fait 0 points. Le Glasgow est à moins de 15, donc 13, enfin, 13, moins de 15 ou inférieur ou égal à 13, donc on a 1 point. Et en plus de ça, il a une fréquence respi à plus de 22. Donc il a un quick sofa à 2 sur 3. Donc ce patient est en sepsis. Or, l'HAS nous dit qu'un patient en sepsis doit, dans la première heure, un bilan bio, un bilan microbio, une antibiothérapie large spectre, un remplissage et l'appel du réa. C'est l'HAS. Facile, on sait qu'on nous attend. Info utile, 24 décembre. 24 décembre, infection respiratoire, grippe. Réflexe, période épidémique, grippe. Y penser. Les symptômes, donc tout rebelle. Augmentin, résistant à l'augmentin, donc on se dit que c'est bizarre.
C'est probablement pas un pneumocoque. Il faut toujours prendre en compte, mais on dit qu'on part sur autre chose. Et ça se dégrade. Donc, une pneumopathie aiguë, communautaire, grave. Ouais, tout à fait. Vous avez le droit à toutes les crayons, codes crayons, feutres, quatre couleurs, ce que vous voulez. Enfin, gros, brouillon. Moi, j'avais un quatre couleurs. J'avais mon code couleur, justement, sur mon brouillon. OK. Analysons. On synthétise. Homme de 41 ans, anciennement alcoolique chronique, consultant en période hivernale. Pour détresse respiratoire aiguë, fébrile le plus vite de 7 jours, résistant à l'augmentation. On a donc un tableau de PAC grave, deux étiologies évoquées en priorité, pneumocoque et légionellose, c'est les deux principales causes de pneumonie aiguë communautaire grave. Période hivernale, on ajoute la grippe. Si on était en 2022, au moment de ce dossier, on rajouterait le Covid. Très bien. Ce patient, il est grave, donc quelle va être la prise en charge? Il est en sepsis, on implique SOFA A2. Donc, dans la première heure, je vous ai dit examen bio et microbiologique, remplissage, et donc pose de voies veineuses périphériques. On remplit sur des voies veineuses périphériques, pas centrales. Antibiothérapie large spectre, on est sur l'atteinte pulmonaire. Donc, l'antibiothérapie de l'atteinte pulmonaire grave, c'est C3G macrolide ou C3G fluoroquinolone, à laquelle on va ajouter le tamivir, parce qu'on est en période hivernale. Donc, il faut couvrir la grippe. Et on appelle le réa. Et vous avez ici la reco de la chaise qui vous dit exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez vu, on n'a pas encore commencé le dossier, on a regardé aucun QCM. Pourtant, on a déjà fait beaucoup du dossier. Dans le reste de la prise en charge, stress respiratoire égale oxygénothérapie. Avec 43 fréquences respi, on mettra probablement un masque haute concentration. Regardons maintenant les QCM. Devant le tableau de ce patient, quels paramètres parmi les suivants sont le critère d'un mauvais pronostic? Tableau d'infectiologie, le score de mon pronostic, c'est le Quick Sofa. Dans le Quick Sofa, on retrouve le score de Glasgow, la pression artérielle et la fréquence respi. Attention, on demande chez ce patient quels sont ceux qui sont mauvais pronostics. Donc les réponses étaient A et D, parce que sa pression artérielle était normale. OK? Donc on cherche le Quick Sofa. Avec les éléments que je vous ai dit comme avant. Et à Hermès, en tout cas en conférence, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas aux réponses. On vous explique ce que c'est. Et là, je vais donc vous montrer comment on explique. Je vous ai dit, on parle de sepsis. En fait, c'est quoi le sepsis? Avant 2016, il y avait tout un continuum entre sepsis grave, sepsis sévère, choc septique, mais c'était totalement nul, on ne comprenait rien. Donc, on a redéfini le sepsis en 2017, à peu près. Après 2016, du coup. Le sepsis, c'est un état clinique secondaire à une infection qui entraîne 10% de mortalité. C'est ça un sepsis. Et ce sepsis, il est défini grâce à un score, comme beaucoup de choses. On appelle le Sequential Organ Failure Assessment Score, score SOFA. Score SOFA, il prend en compte la dégradation, donc la dégradation d'organes, d'où le mot organ failure, sur 6 organes différents. La PO2 sur la FiO2, c'est l'appareil respiratoire. Les plaquettes, c'est l'hémostase. Bilirubine, c'est le foie. L'hypotension, c'est le système cardio-tensionnel. Le Glasgow, c'est le neuro. La créate, c'est le rein. Ce score, il est bien. Et on dit qu'à un score à 2, supérieur ou égal à 2, fait que le patient est en sepsis. Mais vous êtes bien d'accord, ce score est totalement ininterprétable quand un patient arrive aux urgences. Parce qu'on n'a pas son taux de plaquettes, on n'a pas sa bilirubine, on n'a pas sa créate. Donc, on a défini un autre score qu'on appelle le Quick SOFA. Le Quick SOFA définit lui aussi le sepsis quand il atteint 2 points sur 3. Donc, 2 ou 3 points égale sepsis. Il se base seulement sur trois paramètres cliniques très rapides à retenir. Tension artérielle, fréquence respi, état neurologique. Et donc, ces deux scores, SOFA supérieur ou égal à 2 ou Quick SOFA supérieur ou égal à 2, veut dire sepsis, veut dire mortalité prévisible de plus de 10%. À partir du sepsis, on a défini un autre état, le choc septique, qui est en fait un sepsis qui va résister à un remplissage. C'est-à-dire que vous mettez deux ponchons de 500 ml de NaCl à un patient, et malgré ça, il reste hypotendu. Et donc, on va avoir besoin de mettre des amines vasopressives qui vont vasoconstricter les vaisseaux pour maintenir une bonne pression. Et cette difficulté de tension, cette hypotension, s'exprime par une difficulté à apporter de l'oxygène aux organes et donc à une
hypoxie cellulaire qui va être, dont les lactates vont être le témoin. Les lactates, hein, c'est les marqueurs d'un métabolisme anaérobie, dépourvu d'oxygène. Donc, devant un patient infectieux, premier réflexe, quick sofa. S'il a deux ou trois, le patient est septique, il est donc grave, et donc on va appeler le réanimateur, mettre une antibiothérapie, après avoir prélevé le patient et remplir le patient. Question 2, quelle est l'attitude immédiate? Eh bien, on l'a déjà dit, on va remplir le patient, mais attention, pas avec des macromolécules, mais des cristalloïdes, donc soit le ringolactate, soit le NAC. Antibiothérapie, oui, mais pas immédiatement. Après, prélever le patient. Et surtout, pas ceftriaxone. Ceftriaxone plus macrolide, ou ceftriaxone plus fluoroquinolone. C'est bien, tout ça, on l'a anticipé. L'oxygénothérapie, oui. La VVC, non. On a dit une VVP en premier. Et là, E, non, on remplit d'abord. Tout ça a été anticipé. À Diane, elle me dit, faut-il faire un détail de notre prise en charge sur le bruit en lien avec les questions proposées? Dans votre exemple, vous me pensez évidemment à une pneumatie grave. Mais en soi, un patient grave est souvent un DRA. Aussi bien à la QN3, on dit qu'il est psyse optique et qu'il est en occlusion grave, etc. Alors, normalement, on ne va pas te faire des espèces de pièges. Moi, au début, je vous conseille en début de D4, c'est pour ça de tout noter sur le brouillon, de tout noter. Noter un maximum de choses, de vos hypothèses, etc. Parce que vous avez le temps. Et après, au fur et à mesure, vous verrez ce que vous avez besoin ou pas dans votre brouillon. Soit vous avez besoin de tout noter, pour être hyper au taquet, et ça ira, vous aurez le temps, soit vous avez déjà pris des automatismes, il n'y a plus besoin. Moi, j'ai tout détaillé pour vous apprendre. Mais quand j'ai passé le CN, ça me dit que j'ai passé moi le CN, sur mon brouillon, je n'avais pas tout noté ça, parce que j'avais compris, j'avais déjà fait mon évolution. Question 3. Quel examen est-ce qu'on fait chez ce patient? Détresse respiratoire aiguë fébrile, on va lui faire l'antirégionnel, il va aller en réanimation. Donc, on fera légionnaire et pneumocoque, les hémocultures parce qu'il est fébrile et parce qu'il a un état respiratoire, la radiothoracique, copro, non, pas pour une petite diarrhée qu'il a eue après augmentin, hein. On ne fait pas une copro à tout le monde, heureusement. Et puis, bon, une copro à un mec qui est grave en urgence, on va peut-être commencer à mettre sous oxygène et à peut-être le prélever plutôt qu'à lui demander ta copro dans un tube, hein, parce que c'est quand même pas facile. Et le LBA comme ça en urgence, c'est joueur. Donc, devant un respiratoire aigu, on fait toujours pareil, hémoc. Radiothoracique, antigéorigène et pneumocoque, ECBC et la PCR multiplex, grippe et pensons au Covid parce qu'on est en 2022. Question 4. On voit une bio. En général, quand on voit une bio, vous la passez extrêmement vite pour aller au QCM. Vous ne regardez pas la biologie. Alors, soit on regarde la bio, il y a des éléments qui sont bizarres. Alors, déjà, son gaz du sang, il est pathologique, hein, mais on s'y attend un petit peu. Mais surtout, si on regarde les trucs qui sont chelous, il a 4600 leucos. C'est bizarre déjà pour un patient qui est sceptique. Hein. Normalement, je rappelle que les leucocytes, hein, la norme, c'est 4000 à 10 000. Et il n'a que 3800 PNN. Mais si on fait le calcul, 4600 moins 3800, c'est chelou, non? Ça ne nous laisse plus beaucoup d'autres globules blancs. Ça nous laisse 800 leucocytes. Et quel est le deuxième type de leucocyte le plus fréquent après les PNN? Les lymphocytes. Donc s'il n'est pas neutropénique, il est probablement quoi ce patient? Lymphopénique, totalement. Et quelle est la première cause de lymphopénie d'un sujet de 41 ans? Le VIH. Donc ce patient, jusqu'à preuve du contraire, il a un VIH. On ne vous le dit pas, mais en le lisant, vous l'avez deviné vous-même. Ce patient, il est probablement immunodéprimé. Ça change tout. Vous avez fait un scan. Stop. C'est une imagerie. C'est une iconographie. À l'ECN, on a une iconographie. On ne regarde pas les questions. On se pose sur l'icono et on réfléchit à l'iconographie. C'est-à-dire qu'il faut absolument interpréter l'iconographie, quelle qu'elle soit, scanner, ECG, IRM, machin, avant de lire les QCM. Vous ne faites pas piéger comme ça. On se pose, on interprète. Comme en stage.
T'as scanner thoracique, coupe axiale, fenêtre pulmonaire. Ok. Qu'est-ce que je vois de pathologique ici? Je vois du verre dépoli, là. Une structure hyper dense qui n'efface pas la paroi des vaisseaux. Et je vois de la condensation alvéolaire qui efface la paroi des vaisseaux avec un bronchogramme aérien dedans. J'ai donc un patient qui a condensation alvéolaire, donc qui a un tableau alvéolaire, et du verre dépoli, donc de l'interstitiel. Donc un syndrome alvéolo-interstitiel. On l'a dit juste avant, ce mec, il a probablement un VIH. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il ressent comme tympathie? Une pneumocystose. Vous êtes en train de bolosser le dossier. C'est pas le dossier qui vous bolosse. C'est pas lui qui va vous victimiser. C'est vous qui victimisez le dossier là. Vous anticipez tout. Vous êtes méga au taquet. Et là, vous interprétez. Qu'est-ce que vous voyez? Paf! Vous avez déjà répondu. Interstitiel, condensation alvéolaire. C'est rempli, c'est nickel. Question 5. Qu'est-ce qui est possible à ce stade? Tout. Tout se touche le poumon. Légionelle, on l'a dit, pneumocoque, les deux causes graves, myxovirus, donc c'est la grippe, hein, non pas d'épidémique, et on l'a dit juste avant, la pneumocystose. Mais la pneumocystose, pourquoi vous l'avez évoquée là? Parce que vous avez évoqué le VIH. Vous connaissez probablement plus la situation VIH-pneumocystose que le tableau scénographique du pneumocystose. Vous avez dit, putain, ce mec est forcément lymphopénique. C'est sûr, il est lymphopénique. Il a un tableau pulmonaire chelou. Putain, pneumocystose, il faut que j'y pense. Et là, hop, et là, vous cochez. Tac. Au taquet. Question 6. Quel traitement sexuel prescrit votre stade? Myopathie aiguë grave, on l'a déjà dit. C3G plus macrolide ou C3G plus furoquinolone. Et avec en plus l'oseltamivir pour la grippe. Alors, question, le pneumocoque peut faire ce genre de lésion TDM? Oui. Les pneumocoques chez les sujets méprimés peuvent donner un aspect plus interstitiel en plus, en faisant saigner en fait dans le poumon. Donc, on l'a dit, C3G plus macrolide ou C3G plus furoquinolone, donc C et E, et grippe. Alors, c'est plus difficile devant le scan seul d'évoquer la pneumocystose. Tu peux, mais ils auraient mis un scan encore un peu plus typique, genre avec des vrais kystes. Mais ça se peut. Parce que pour écarter la légionelle, il faut deux antigènes négatives à 48 heures d'intervalle, Cécile. Et que la sérologie ne permet de dépister que la légionelle du sérogroupe 1 et pas le sérogroupe 2. Donc ça n'élimine pas complètement. Ouais, alors en fait, tu le mets parce que les respiratoires, elle est récente, Aude. C'est discutable, hein, le Zamivir. Je sais qu'il fallait le mettre parce que j'ai les réponses de ce DP, hein, j'ai la correction. C'est discutable, mais je pense qu'il faut le mettre. Et quand le patient va en rien, on le met. Si tu n'as pas la bio, c'est bâtard de mettre la pneumocystose. Tu peux, mais c'est vraiment bâtard. Moi, j'aurais coché parce que le tableau est quand même chelou, mais c'est bâtard. Question 7. Comment traiter la pneumocystose? Vous avez porté la pneumocystose, vous savez qu'il faut la traiter. Dans la pneumocystose, il y a deux traitements. Il y a le traitement de l'infection, et c'est quelle molécule? Ouais, le cotrimoxazole ou le Bactrim, c'est pareil. Et il y a une petite subtilité en pneumocystose. La corticothérapie. Et c'est quoi l'indication de la corticothérapie? La vraie indication de la corticothérapie. C'est une PaO2 à moins de 70 millions de mercure. Je sens qu'il y a une pneumocystose et qu'il y ait VIH. C'est que chez le patient en VIH. Donc là, on a coller le VIH. On a dit c'est du VIH, c'est preuve contraire. On met corticothérapie et Bactrim. Parfait. Et là, pareil, un réflexe. Vous avez mis du Bactrim. Vous allez le savoir, vous allez faire des dossiers. Des moments où il y a du Bactrim à l'ECN, il y a forcément la toxidamine qui vient derrière. C'est la question facile que tous les pays font. Et dès qu'il y a du Bactrim, pour lire tous les sujets de scène depuis 2016, dès qu'il y a Bactrim, il y a allergie. On a mis du Bactrim, on pense fort à l'allergie. On a une sérologie VIH qui était positive, on s'en doutait un petit peu. Quel examen on fait? Bon, là, je rentre pas dans le détail. Ça va être les examens typiques du VIH, syphilis, lymphopénie, CR4C8, toxo, charge virale VIH. C'est la liste à prendre par cœur, que vous pouvez éventuellement apprendre, comme on dit, juste avant le SEN et vous oubliez après. Question 9, un peu plus subtile. On est à
Il était intubé. Enfin, il était intubé puis extubé à 48 heures. On est au début de la prise en charge. On est à J4 de la prise en charge. On vous donne là aussi une date, J4. Si on vous dit J4, ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose qui va nous aider. Et du coup, quel traitement antirétroviral vous mettez chez ce patient? Effectivement, la B. Déjà, il y a une subtilité dans cette question. C'est une question à réponse unique. Or, on sait que dans le VIH, on peut mettre trois trithérapies différentes. Deux inhibiteurs nucléosidiques transthyrétine inverse, pardon, avec soit un inhibiteur non nucléosidique, soit un inhibiteur de l'intégrase, soit un inhibiteur de la protéase. Là, c'est bizarre qu'on ne donne qu'un choix. Et deuxièmement, on vous donne un J4. Et pourquoi on vous dit le J4? Parce que dans le VIH, en cas d'infection opportuniste, on ne démarre pas de traitement antirétroviral avant au moins 2 semaines après le début du traitement de l'infection opportuniste. On est à J4. On est bien avant les 2 semaines de traitement. Donc, pour éviter une sorte de restauration immunitaire systémique, on ne va pas mettre de traitement antirétroviral à ce stade. Et vous voyez l'indice, il est là. Il est au J4. C'est un indice. Et l'indice, il peut vous dire, en lisant bien l'énoncé, en prenant le temps, ça vous allez vous remémorer. C'est-à-dire que peut-être que, bien en tête, vous aurez coché le traitement antirétroviral en disant c'est bon, je le traite, je sais, c'est la trithérapie, je la connais par cœur. Là, vous prenez le temps, vous dites, hein, J4. Pourquoi il met J4? Pour quelle raison? Pourquoi J4? Ah, mais oui! Pour être syndrome de restauration immunitaire. Donc, je ne mets pas traitement antirétroviral. Vous voyez, lire les énoncés, prendre le temps, c'est récupérer plein d'indices qui font gagner des points. Un point par-ci, un point par-là, 100 places par-ci, 100 places par-là. Je vous ai mis la correction pour vous l'ayez, hein, pour vous, ça sauve un dossier de l'ESN corrigé gratos. Mais voilà. Donc, on a mis cotrimoxazole et à J10, hop, il a de nouveau une fièvre et une éruption. La fameuse toxidermie. On l'avait call, on avait dit qu'elle allait arriver. Donc, on n'a pas de doute, c'est une toxidermie. Ce n'est pas un choc toxique au staff. On ne vous parle pas de staff à aucun moment. Bof. Pneumocystose, résistance au cotrimoxazole. Ok, je ne sais même pas si ça existe. Mais pourquoi ça fait une éruption? C'est chelou. Restauration immunitaire? Non. On n'a pas mis de traitement antirétroviral. Ils vous le disent, n'a pas été initié. Donc pour vous, pas de traitement antirétroviral, pas de restauration immunitaire. C'est pas tout à fait vrai, mais pour le SEN, c'est vrai tout le temps. Rebond la pneumocystose à l'arrêt des corticoïdes. Bah pourquoi? Les corticoïdes ne traitent pas la pneumocystose, ils traitent l'inflammation. Et pourquoi encore une fois une éruption du corps? C'est bizarre. Le seul truc qui colle, c'est l'allergie au cotrimoxazole qu'on avait. Par ailleurs, call juste avant. Donc, question 1, quelque chose comme signe de gravité. Et bien, vous le savez, en toxidermie, il y a deux toxidermies graves. Il y a le Lyell Steven Johnson et le Dress syndrome. Et bien, on change des arguments pour le Dress ou pour le Lyell. Les voilà, œdème du visage, érosion muqueuse associée, signe Nikolsky positif. Et je vous ai mis ici des petits rappels sur ces deux toxidermies que je vous laisserai lire tranquillement. Je ne veux juste pas qu'on finisse trop en retard. Question 12. Quel examen est-ce qu'on fait avant le choix de traitement antirétroviral initial? Eh bien, on va faire tout ce qui va pouvoir jouer sur le traitement du VIH, c'est-à-dire le test de résistance du VIH. Lâcher la B5701 parce que l'abacavir, qui est un inhibiteur nucléosidique transthyrétine inverse, ne peut pas donner chez les patients qui sont HLA-B5701 positifs parce qu'ils sont toxidermie important. Et la sérologie de l'hépatite B. Pourquoi l'hépatite B? Pourquoi c'est important de savoir la sérologie de l'hépatite B? Pour le traitement, c'est un traitement en commun, tout à fait, exactement. Donc parfait. Question 13. Vous avez fait une sérologie d'hépatite B, on se pose tranquillement. Il est HG-HBS positif. Donc il a une hépatite B patente. On ne sait pas si elle est aiguë, on ne sait pas si elle est chronique pour l'instant. Il est HBE positif. Il est anti-HBC positif. Il n'y a pas d'anticorps anti-HBS. Donc c'est une hépatite B qui est en cours. Avec une PCR qui montre une hépatite B qui est réplicative. Et surtout, on n'a pas d'IgG positif, on n'a pas d'IgM positif, on a des IgG positifs. Donc ça nous oriente vers une infection ancienne, donc probablement une hépatite B chronique. Et comme l'anticorps HBE est négatif, il n'y a pas de mutation précoce, ça c'est des retirés des collèges, j'insiste pas dessus. Et à mon sens, c'est vraiment la surspécialité. J'insiste pas dessus. Question 14.
À J15, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est à J15, on a démarré la thérapie antirétrovirale. Très bien. Le traitement de l'anémocytose, c'est 3 semaines de Bactrim. Donc, on va laisser le Bactrim encore un petit peu et on mettra après une prophylaxie secondaire, comme dans l'item VIH. Il n'y a pas de piège, c'est la pneumocystose. Question 15, qu'est-ce qu'on fait comme mesure? Est-ce qu'on déclare l'arrêt du travail? Bah, pourquoi? C'est pas, ça n'a rien à voir avec le travail, pas de raison. Le suivi psychologique, oui, parce qu'avoir un VIH, c'est quand même pas toujours facile sur le plan du moral. On peut proposer à un patient un suivi psychologique. C'est bien une ALD, hein. On déclare à l'ARS, mais c'est une déclaration anonyme. Les déclarations nominatives n'ont d'intérêt que s'il y a une enquête autour du cas. Donc ça va être les maladies qui vont être contagieuses autour du cas, comme la tuberculose, la légionellose ou la méningite. Et on n'informe pas, nous, partenaire sexuel. C'est ça que c'est marqué personnellement dans l'énoncé. Il faut informer le partenaire sexuel, mais par le patient lui-même ou par vous avec le patient. Mais sinon, personnellement, vous n'avez pas le droit d'informer les partenaires sexuels. Est-ce que ça va pour cette démonstration de comment aborder un DP de CN? Comment gagner du temps? Comment ne pas se faire maltraiter par le dossier, mais justement anticiper les choses et être au plus efficace et efficient? Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Ensuite, je voulais vous montrer un exemple de masterclass, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est un exemple de ma masterclass, tout tout à fait pareil, mais la philosophie des masterclass, c'est en 4 heures, refaire le tour d'une spécialité dans ces moments clés. Moi, je m'attache beaucoup à la compréhension des choses. Donc, vous allez voir mes masterclass, et si vous faites les confs à Hermès, vous verrez mes conférences sont très axées compréhension. Pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Pourquoi c'est quoi ces symptômes-là? Pourquoi? Oui, il y a des replays des masterclass quand vous êtes inscrit, bien sûr. Alors, pour faire cette masterclass, j'ai choisi de prendre l'exemple d'une maladie que vous connaissez bien sans la maîtriser parfaitement. La tache à cellules géantes. Et là, du coup, son pendant qui va avec, la pseudo-polyarthrite rhizomyélique. Donc voilà, je vous la fais comme je la ferai en masterclass. Donc ces deux maladies, PPR pour pseudo-polyarthrite rhizomyélique et ACG pour arthrite à cellules géantes, touche principalement et quasiment exclusivement le sujet âgé. C'est-à-dire que les sujets de plus de 50 ans, avec un pic plutôt vers 70-80 ans, avec une prédominance plutôt chez les femmes. C'est une maladie qui touche plutôt les sujets d'origine caucasienne, blanc, et très peu les sujets africains ou asiatiques. Pour retenir un peu l'épidémiologie ethnique d'une maladie, regardez son nom propre. Horton, ça fait un peu le mec à Londres qui va à la bourse, donc c'est un caucasien. Si je vous dis Takayasu, ça fait plutôt asiatique. Wegener, c'est allemand, c'est un caucasien. Si je vous dis Lofgren avec un O tréma, c'est scandinave, donc c'est les populations d'Europe du Nord, etc. La PPR, elle est plus fréquente que l'arthrite à cellules géantes, 3 à 10 fois plus fréquente, mais elle s'associe régulièrement. 20% d'emblée, dans 20% des cas, vous avez un tableau complet PPR plus ACG. Dans 20% des cas, le PPR évolue vers un ACG. À l'ECN, le plus fréquemment, c'est les deux en même temps. Cliniquement, la PPR, comme son nom l'indique, pseudo-poly plusieurs arthrites, inflammation des articulations rhizomyéliques. Rhizo, c'est du grec, ça veut dire racine. C'est donc des douleurs inflammatoires des articulations des racines, donc des épaules et des hanches. Inflammatoire veut dire qui réveille la nuit, surtout en deuxième partie de nuit, et sans, de façon spontanée. Avec un dérouillage matinal, c'est-à-dire une difficulté à mobiliser l'articulation pour qu'elle soit souple pendant au moins une demi-heure, voire une heure, qui disparaît plutôt à l'effort et qui prédomine au repos et qui dure en général plus d'un mois. Ça, c'est la PPR. L'ACG, c'est une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux. Les vascularites, elles sont classées selon la taille des vaisseaux préférentiellement atteints. Et l'ACG touche principalement les vaisseaux dits de gros calibre, c'est-à-dire l'aorte et ses principales branches, notamment les branches à visée carotidienne et céphalique. Et en fait, ce qui se passe dans cette maladie, c'est que l'inflammation du vaisseau va conduire à l'épaississement de la paroi du vaisseau. Donc la lumière du vaisseau, elle devient toute petite, voire inexistante. Et donc les signes cliniques qu'on va avoir à la maladie sont des signes ischémiques,
qui vont être secondaires à un défaut d'apport de sang et donc un défaut d'apport d'oxygène chez les patients dans les territoires atteints à cause de cette lumière qui va être réduite, voire obstruée. Ainsi, si on prend l'atteinte la plus fréquente de la maladie, qui est l'artère carotidienne externe, cette carotidienne externe, elle donne trois branches principales. L'artère temporale, notamment temporale superficielle, qui vascularise le cuir chevelu. Et bien, en cas d'artère dont la lumière est rétrécie, voire complètement bouchée, on va avoir des signes ischémiques au niveau du scalp, au niveau du cuir chevelu. Donc, nos nocicépteurs, nos récepteurs tactiles vont être beaucoup plus sensibilisés parce que beaucoup plus agressés. Et donc, si je passe la main dans les cheveux du patient, ça va être une sensation qui va être désagréable, comme si vous sentiez trop bien, voire douloureuse. Ce qu'on appelle le signe du pain, comme si vous passiez un pain dans le cuir chevelu. Et même dans les cas où l'artère est complètement bouchée, et bien le cuir chevelu se nécrose. Par ailleurs, l'artère temporale, elle est superficielle, comme son nom l'indique, et donc on la sent très bien. Si vous partez du tragus, donc de l'endroit de l'oreille, là où de la partie la plus antérieure de l'oreille, et vous mettez les doigts comme ça, vous avez webcam, vous pouvez me voir, vous sentez l'artère temporale, et vous sentez un pouls. Et bien, en cas d'artère de cellules géantes, cette artère, elle va être épaissie, parce que la paroi devient épaissie, ce qui fait qu'on sent plus l'artère, elle est comme indurée, elle est dure, inflammatoire. Et en plus de ça, comme sa lumière va être réduite, voire complètement bouchée, le pouls va être diminué, voire aboli. Et c'est pareil. Deuxième branche, l'artère maxillaire, qui va vasculariser les muscles manducateurs, donc de la mâchoire temporale, masséter, chirurgien médial, chirurgien latéral. C'est des muscles qui vont être mis en action lors de la mastication. Et ben, en cas d'atteinte de l'artère maxillaire, on aura une claudication intermittente de la mâchoire. C'est-à-dire qu'au repos, vos muscles ne sont pas activés et reçoivent assez d'oxygène, assez de sang, assez d'oxygène. Dès que vous les mettez à l'effort, en mâchant, vous allez activer les muscles. Donc les muscles vont avoir besoin de plus d'énergie, donc de plus d'oxygène. Si votre artère est sténosée, il n'y a pas beaucoup de sang qui arrive, donc pas beaucoup d'oxygène. Donc les muscles, ils vont passer d'un métabolisme aérobie à un métabolisme anaérobie et produire donc des lactates, ce qu'on disait tout à l'heure, et donc de l'acide lactique. Or, quand vous avez de l'acide lactique dans un muscle, ça donne des douleurs à type de crampes. La claudication de la mâchoire d'un patient qui a un Horton, c'est la même claudication qu'a une AOMI. AOMI, c'est l'athérose qui réduit la lumière. Dans la CG, c'est l'inflammation. Et c'est pareil au niveau de la langue. Au repos, quand vous ne faites rien, pas de douleur. Mais dès que vous mangez, dès que vous parlez, dès que vous mobilisez la langue, vous allez avoir mal parce que le muscle n'aura pas assez d'oxygène. Donc, il va produire des lactates et donc faire des crampes. Quelques images. Ici, l'artère temporale qui est indurée, qui est saillante, qu'on voit bien. Là, une hémi-nécrose de langue chez une patiente qui a du coup une sténose complète de l'artère linguale droite. Et là, une nécrose du scalp chez un patient qui a une atteinte sténosante complète, atteinte temporale superficielle. Diane, je te réponds juste après pour les masterclass, je ne t'ai pas oublié. L'autre territoire qui est atteint dans l'artère géante, c'est le territoire carotidien interne, qui donne notamment l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, c'est une artère qui donne elle-même deux branches terminales, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de suppléance. Si c'est bouché, c'est mort, quoi. Premièrement, l'artère ciliaire courte postérieure, qui est ici, qui vous voyez, va vasculariser la moitié de la tête du nerf optique. Donc en fait, par nerf optique, on a deux artères ciliaires courtes postérieures, une supérieure et une inférieure, qui vasculariser chacun la moitié du nerf optique. L'occlusion de l'artère ciliaire courte postérieure, qu'on appelle la NOIA, neuropathie optique ischémique antérieure, va entraîner du coup la nécrose de la moitié de la tête d'un nerf optique. Retenez ça me servira pour la suite. L'autre artère, c'est l'artère centrale de la rétine, qui, comme son nom l'indique, vascularise toute la rétine en dehors de la macula. Son atteinte s'appelle l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. En termes de symptômes, pour la NOIA, donc l'occlusion des artères ciliaires côtes postérieures, l'atteinte de la moitié de la tête du nerf optique fait que le patient va avoir une baisse d'acuité visuelle, qui va être brutale. C'est comme un AVC, c'est un AVC de l'artère, en fait. Unilatéral,
sur le yatin et indolore. Il n'y a pas de nerf. Pas mal. Qu'uniquement, si on fait un fond d'œil, on va avoir une papille qui va être pâle à cause de l'œdème. C'est ischémié, ça se démacie. Comme une jambe qui s'ischémie, elle est grosse, elle est ischémiée. Et l'hémorragie enfle la mèche parce que le sang qui stagne va du coup passer dans la rétine. Donc on voit bien cette rétine qui est pâle à cause de l'œdème, cette papille qui est pâle, pardon, à cause de l'œdème, les hémorragies enfle la mèche. Si on fait un champ visuel, et ben comme c'est la moitié d'un nerf optique, la moitié de la tête d'un nerf optique qui est morte, et ben on aura la moitié du champ visuel qui va être amputé. On parle site altitudinal. Pour l'OACR, claudication, ça veut dire des douleurs qui apparaissent pour un effort. La claudication. Alors, ce n'est pas des AVC en soi parce que le mécanisme est inflammatoire. Mais cliniquement, tu peux faire la différence. Dans AVC, on parle de c'est thrombotique ou hémorragique. Là, c'est encore un autre mécanisme. Question médulaire, alors, question, t'as raison. C'est une gêne à l'effort, qu'elle soit douloureuse ou non. Tu as raison. Question médulaire, ce n'est pas une gêne douloureuse, c'est une faiblesse. C'est une gêne. Alors, quand je fais la différence entre les veines et les artères au fond d'œil, les veines sont beaucoup plus grosses que les artères. Elles sont plus épaisses et plus noires, souvent. Plus foncées. Donc l'OACR, bah, les symptômes vont être les mêmes. La rétine est morte, du coup on ne voit plus d'un seul côté, et ça fait pas mal. Et on peut avoir des épisodes d'amaurose fugace, c'est-à-dire la vision part et elle revient. Un peu comme un AIT. Vous voyez, je fais des parallèles, mais ça se ressemble beaucoup. Au fond d'œil, bah, toute la rétine est ischémiée. Donc comme tout à l'heure, elle est œdémaciée. Mais si elle est œdémaciée, elle est comme tout à l'heure, elle est pâle. Les artères qui sont bouchées vont du coup être très petites. Grêle et filiforme, ce qu'on dit. Si je compare l'artère ici et l'artère par exemple plus basse, là, on voit la différence. Et enfin, la macula, je vous l'ai dit, elle n'est pas vascularisée par les mêmes artères, elle est vascularisée par les branches d'artères choroïdiennes. Donc si je vous mets une macula bien vascularisée, donc bien rouge, sur une rétine bien pâle, et ben rouge sur pâle, ça ressort, fait la tache rouge cerise. Mais on peut s'aider. La maladie s'appelle l'OACR. Et ben c'est ça au fond d'œil, c'est aussi OACR. O pour œdème rétinien dans le territoire ischémien. A pour artère grêle et filiforme. Artère ici, veine là, artère là. Vous voyez l'artère ici qui est saine est beaucoup plus large que celle-ci ou que celle-ci. C pour cerise, tache rouge cerise qu'on voit bien ici, on voit bien la macula qui ressort par rapport à la rétine qui est pâle. Et enfin, R, bah, rétine pâle. O, œdème, A, artère grêle et filiforme, C, cerise. R, rétine pâle. Par ailleurs, toutes les branches de l'aorte et l'aorte elle-même peuvent être atteintes. Donc, on peut avoir des AIT et AVC, des vrais AVC, des diplopies par atteinte des nerfs qui vascularisent les muscles oculomoteurs, l'atteinte de l'aorte et des aortites qui peuvent aller vers la dissection aortique, même parfois, une atteinte des coronaires, des jambes, des bras, des artères digestives, des artères rénales. Sur le plan paraclinique maintenant, quelle que soit la maladie, PPR ou ACG, on a constamment un sang inflammatoire biologique, avec du coup une thrombocytose, une anémie, et parfois, si le foie est atteint, si les artères hépatiques sont atteintes, une cholestase hépatique. Plusieurs imageries possibles, sachant qu'il faut systématiquement, dans l'ACG, faire une imagerie des vaisseaux. Vous avez l'échographie, l'angio scan ou l'angio IRM, ou le TEP scanner. Par exemple, l'échographie dans la PPR, vous cherchez des signes d'atteinte des articulations des épaules et des hanches. Ces signes, ça va être une bursite, donc une inflammation de structure abarticulaire autour des articulations. Cette bursite, on la voit ici. Ce que vous avez ici numéré, c'est que le tendon bicipital, avec le tendon du biceps qui est là, donc du long biceps qui passe là. Et on voit que la bourse, elle est visible. Or, en échographie articulaire, les bourses sont virtuelles normalement. Donc, on voit une bourse visible, donc il y a du liquide dedans, elle est inflammée. Par ailleurs, sur le long biceps, on voit que le tendon, la paroi, donc la gaine est épaissie, ce qui donne une inflammation du ténosynovite. Qu'on a ici là, une atteinte de l'épaule. Au niveau de la hanche, on a le gros trochanter et on voit ici la bourse prétrochantérienne qui est aussi remplie de liquide qu'inflammatoire. PPR étant bilatéral et symétrique, l'échodopère sera aussi bilatéral et symétrique. Mathilde, tu n'as pas de DPEQI, c'est que des cours. Pour la testule géante, ce que vous connaissez peut-être comme échographie à réaliser, c'est l'artère temporale. Donne plusieurs
éléments pour le diagnostic. En A et B, un patient normal, sans maladie. En C et D, un patient malade. On voit la paroi qui est épaissie par rapport à là. Cette paroi, elle s'épaissit au détriment de la lumière, qui, vous le voyez, est beaucoup plus réduite là ou là par rapport à là. Mais en plus, comme c'est de l'inflammation, et on va avoir un œdème autour. Et l'œdème, c'est de l'eau. Et l'eau, en échographie, c'est un hyposignal. Donc, on voit un hyposignal autour de l'artère qu'on ne voit pas ici. On appelle le signe du halo. Je vous l'ai dit, dans la CG, il faut systématiquement faire une maillerie des vaisseaux en coupe. Vous avez ici un exemple de scanner avec une aortite. Donc, une option de la paroi de l'aorte. On parle d'aortite quand la paroi fait plus de 3 mm, peu importe. Là, on voit elle est circonférentielle et on voit très bien cette aortite. Le TEP scanner peut nous aider aussi, avec ici un TEP scanner de PPR, où on voit une prise du métabolisme, donc un hypermétabolisme au niveau des épaules et des hanches, des zones atteintes. Et dans l'intéressée de jante, un hypermétabolisme de l'aorte et des gros vaisseaux, qui signe donc la maladie, qui reste à cartographie. Pour le diagnostic de PPR, vous avez des critères. Il y a des examens à faire en première intention. Je ne vais pas les détailler ici, je vous laisserai les lire. On a des critères de classification qui ne sont pas à prendre par cœur, mais qui résument bien la maladie. Il faut avoir plus de 50 ans pour avoir une PPR, avoir une atteinte des épaules bilatérales et une inflammation biologique. C'est obligatoire. Après, on a des critères. Une raideur matinale, très bien, c'est inflammatoire. La hanche qui est touchée en plus, très bien, c'est la deuxième racine. Pas d'argument pour une PR, qui est une différentielle. Pas d'articulation atteinte, la PPR ne touche que les racines, et on peut rajouter des critères graphiques qu'on a vus précédemment. Dans la CG, le diagnostic se fait sur la biopsie intertemporale. Vous avez ici en haut une intertemporale normale, une intima quasi virtuelle, séparée de la média par les liseuses élastiques internes, qu'on voit bien, elle se forme de ruban et d'adventice. Dans la CG, on a atteint toutes les structures de l'artère. Tous les points violets que vous voyez, c'est des cellules lymphocytaires ou macrophagiques. Lymphocytaires principalement, qui vont envahir l'adventice, la média et l'intima. D'ailleurs, on ne peut plus distinguer média de intima. Il n'y a plus une intersticule interne qui est détruite. Alors qu'on distingue bien encore l'intersticule externe. Et on va retrouver, par ailleurs, des structures comme ça, ovalaires, qui prennent de la place, avec souvent autour des intersticules CD4, qu'on appelle des granulomes. Et vous avez là le pattern typique de la PPR orthope. Le traitement. Il dépend des corticoïdes avec des posologies qui dépendent de l'atteinte. PPR isolé, c'est 0,2 mg kilo au jour. C'est à connaître pour le CN. ACG, sans atteinte ophtalmologique, c'est 0,7 mg kilo au jour. Avec atteinte ophtalmo, c'est 1 mg kilo au jour. Avec des bolus de corticoïdes à faire ou pas avant, ça dépend du praticien. Et des anti-agents plaquettaires, du Plavix, du Cardégix, ce que vous voulez. Voilà, c'est un exemple de masterclass. C'est un bout de ma masterclass. Avec un item, PPR, Orton, tout ce qu'il faut savoir dessus, tout ce qui est important pour le CN et comprendre. C'est ça, exactement. Ça reprend toutes les matières en une fois, parfois deux. Dans la pédiatrie, il y a deux masterclass, par exemple, ce qui se comprend. Mais voilà, c'est ça l'idée des masterclass. C'est en 4 heures, on fait les grandes lignes de la spécialité, les grands trucs à connaître. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous parle juste des offres chez Hermès et qu'après on close cette masterclass, cette conférence, pardon. Les conférences, est-ce qu'elles commencent, pardon. Il y a une partie qui va commencer en juillet, en distanciel et pour Paris, mais ce n'est pas tout. Et après, sinon, c'est plutôt septembre-octobre. Et vous avez toutes les offres, je vais tout vous dire de toute façon juste après, et vous avez toutes les offres sur le site. Donc, il ne faut pas hésiter à les regarder. Hors Paris, il n'y a pas l'été, en distanciel, non. Tu as un onglet Masterclass dans ton profil. Alors ça, c'est une tous les dimanches, les masterclass. Donc, en fait, il y a deux stratégies pour les masterclass. Soit ça ne vous intéresse pas, vous avez tout à fait le droit, parce que vous estimez que vous apprenez très bien tout seul. Vous n'aimez pas qu'on fasse un cours. Soit vous vous dites, je veux occuper mes dimanches, parce que le dimanche, je ne bosse pas, donc autant faire quelque chose. Et donc, prenez tout le packaging, c'est tous les dimanches. Ou alors vous vous dites, eh ben moi, ça ne m'intéresse pas de faire toutes les masterclass, je préfère faire que celles des spécialités que je ne maîtrise pas. Donc, vous pouvez prendre masterclass, pas masterclass. Alors, en termes de prix, bien sûr, si vous pouvez tout en même temps, c'est mieux. Ça coûte moins cher, quoi, au final. La masterclass coûte moins cher. Mais si vous voulez prendre une par une, c'est possible. Présentiel, c'est septembre, je crois, ouais.
Pour rythme de travail, combien de temps par semaine? Deux par semaine, ça me paraît bien. Une à deux par semaine, ça me paraît bien. Je vais juste allumer la lumière pour que vous ayez un peu. Si vous me voyez. Yes. Ouais, c'est que du distanciel les masterclass, c'est pas du présentiel, c'est que du distanciel. Pour que tout le monde en France puisse y avoir accès. Et vous avez le diapo et le replay après. Alors, je vous présente les offres et si vous avez d'autres questions après, on va les prendre. Alors déjà, bon, grosso modo, ça fait 3 ans de suite, je crois, qu'on a, ou 2 ans. Enfin, il y a eu le major à Hermès en 2018, 2020, 2021, 2022, de mémoire. C'est de très bonnes statistiques. Je vais pas faire de langue de bois avec vous. Pour pas citer, il y a d'autres confs privés qui ont des stats qui sont quasiment les mêmes. Parce que quand vous inscrivez à une conf privée, vous êtes motivé, ça vous motive, vous bossez et vous êtes bien classé. En général, vous avez vraiment des très bons classements à l'ESN quand vous faites une conf privée, quelle qu'elle soit. Donc vous allez me dire pourquoi choisir Hermès plutôt qu'une autre conf. Si je dois dire les choses comme je le ressens, de mon expérience à la fois d'externe et de conférencier en tant qu'interne, moi j'aime beaucoup Hermès parce qu'ils prennent vraiment en compte l'étudiant. Ils vont vraiment. Il n'y avait pas que l'aspect mercantile, il n'y a pas que l'argent. Vraiment, ils vont tout faire pour les étudiants, ils sont très proches des étudiants, ils sont très proches de leurs demandes. Et surtout, il y a vraiment une culture de la bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il y a eu des conférenciers à Metz qui étaient très bons sur le plan connaissance, classement, etc. Mais qui cassaient les étudiants en conférence et qui se sont fait du coup un peu jarter de Hermès. Au détriment de conférenciers peut-être un tout petit peu moins bons, mais plus sympas, plus accessibles, plus cool. D'accord? Parce que si vous venez en conf pour faire casser, ça ne sert à rien, quoi. C'est pas valorisant, à mon sens. Vous me venez en conf, quelqu'un qui soit bienveillant et qui vous dise, vous ne savez pas répondre, c'est pas grave, je suis là pour vous apprendre. Et pour vous retenir, pour passer un bon moment, c'est quand même mieux. Pour les inscriptions, donc il y a plusieurs formules. Quelle que soit la formule, présentiel ou distanciel, c'est la même conférence. C'est la même conférence à Lyon, qu'à Paris, qu'à Toulouse, qu'à Marseille, ou qu'elle est en distanciel. C'est le même conférencier, le même sujet, le même classement. Après, à vous de savoir si vous préférez le distanciel ou le présentiel, les deux se valent. Chacun s'attache à l'autre. Moi, je suis très présentiel. Je pense que c'est mieux le présentiel, parce que c'est là où on a plus d'interactions, on échange mieux, mais ça dépend beaucoup des gens. Grosso modo, toutes les villes n'existent pas en présentiel. Ça dépend un peu. Après, s'il y a du monde qui est intéressé, c'est toujours possible de monter une conférence présentielle. S'il y a 30 étudiants intéressés, à Metz ou une ville, ce n'est pas un problème. Mais tout n'existe pas actuellement. Par contre, tout existe en distanciel, évidemment. S'inscrire au conf, ça donne accès de façon automatique au replay 24-24, au PDF des cours, aux ECN blancs, il y en a 10 par an, des petits et des gros. Les sessions de coaching, bien sûr, tout ce qui est banque de QCM, les fiches de la martingale. Grosso modo, distanciel ou présentiel, vous avez le droit aux mêmes choses. Les concours blancs, les fiches, les corrections, les replays, etc. Ça, ce n'est pas du tout un souci. C'est les mêmes conférenciers, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, il y a les packagings, 30 ou 40 conférences en présentiel. Donc, 40 conférences, ça commence maintenant. 30 conférences, ça commence un peu plus tard. Donc, le présentiel, c'est que pour certaines villes, comme je vous disais. Le présentiel à Paris, c'est le mardi soir. En province, c'est le samedi ou le dimanche. Ça dépend un peu. Voilà, il y a 20 masterclass. Les masterclass, vous pouvez les prendre du coup en packaging. Et du coup, vous les faites toutes. Ou alors, vous les prenez à la carte. Et il y a des entraînements du coup par matière sans aucun problème avec les corrections. Les masterclass, je vous l'ai dit, voilà, il y a les replays disponibles 24-24, les PDF de cours. C'est 100% des items, c'est les rangs A et les rangs B. Il n'y a pas de claque clinique comme en conférence. Et c'est les dimanches, 10h30, 15h, avec une demi-heure de pause pour déjeuner au milieu. Ça permet aussi de respirer un petit peu. Grosso modo, il y a à peu près toutes les offres pour trouver ce que vous voulez. Du distanciel un peu plus intensif, du distanciel normal, du présentiel. Il y a même une offre où c'est que les PDF des DP avec les corrections. Sans conférencier. Je ne le conseille pas personnellement, mais voilà, ça peut aussi, pour certaines personnes, ça peut vous intéresser. Alors, je vais poser une petite question. Est-ce que je sais si les gens réussissent mieux en présentiel qu'en distanciel sur les stats? J'en ai absolument aucune idée, pour être tout à fait franc. Avec le Covid qui est arrivé, ça a un peu rebattu les cartes. Pour les résultats, on est classé avec la question de notre promo uniquement. C'est tous les étudiants de la même année. Donc, par exemple,
as fait la conv'infectio à Toulouse en D4, eh ben, tu seras classé avec tous les gens qui l'ont fait toute la France. Distanciel et présentiel. Quelle est mon opinion des fiches martingales de la révision? Alors, moi, le problème, c'est que je ne suis pas très fiche. Donc, je ne peux pas donner des bons conseils sur les fiches. Honnêtement, ce n'est pas là où je suis très bon pour les fiches. Donc, je préfère qu'éventuellement, vous demandiez à des gens qu'on les ont utilisées. C'est mieux. Est-ce qu'il y a des limites de place pour les masterclass? Non. Alors, normalement, à Paris, il y a du présentiel. Aujourd'hui, il y a du présentiel, il n'y a pas de souci. Le Covid devrait pas poser de souci. Il y avait du présentiel à Paris, dans deux salles. Parce que je les ai faites. Après, parfois, c'est un peu plus éloigné. Je crois que pour ceux qui étaient à Boulogne, bah, l'hôpital n'a pas voulu. Voilà, Boulogne, bah, c'est ça, le problème, c'est que Boulogne, du coup, n'a pas filé la salle avec le Covid, je pense. Mais si vous êtes beaucoup à Boulogne, il y a moyen de trouver une salle. Hein. Hermès sont hyper, hyper cool là-dessus. Enfin, on a eu des problèmes à Amiens, parce que je coordonne à Amiens, et on a trouvé notre salle sans problème, quoi. Il y a un hôtel ou machin. Après, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Les Écosses, il y en a, mais pour les D2-D3. L'année pro, il faut envoyer un mail à Hermès et l'IA pour être sûr. Mais voilà. Bah, à Dijon, Cécile, si vous êtes beaucoup motivé, si vous êtes beaucoup motivé qu'il y a du monde et que vous le dites à Hermès, il y a moyen qu'ils ouvrent une ville, oui. Ça ne pose pas de problème d'ouvrir une ville. Il faut juste qu'il y ait du monde, en fait. Donc, si vous êtes, si, alors, faut qu'il y ait du monde aussi, enfin, s'il ne faut pas qu'il y ait que des D4. Enfin, si. Si vous êtes une grosse promo de D4 ou qu'il y a un peu tout, c'est ça. Alors, je réponds juste à une question. Si on n'a pas le temps de faire les DPUNS, je pense que c'est suffit de faire les confermesses. Non, je pense qu'il faut faire quand même des DPQ à côté. Pour les collèges, alors, pour faire simple, tout ce qui est cardio, tout ce qui est spécialité d'organes. Ouais, tout à fait. Si tu es inscrit aux conférences présentielles, tu as accès aux vidéos conférences enregistrées. Tout à fait. Du coup, ça sera la vidéo conf, bah, du distanciel, quoi. Mais c'est la même conf. Donc, pour les collèges, bon, les obligatoires. Alors, je vais peut-être en oublier, donc si j'oublie, vous me mettez dans le chat. Cardio, pneumo, gastro, rhumato, endoc, gynécops, psychiatrie, médecine interne, oncologie, urologie, néphro, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, neuro. ORL, j'en ai oublié plein, je suis sûr. PED, santé publique, médecine légale, ça, faut les faire. CMF, il faut faire que l'item un peu sémiologie, l'item fracture. C'est ce qui me paraît vraiment important, le reste, vous pouvez oublier. Infectio, le pili. Je vais regarder mes collègues, parce que je n'oublie pas. Dermato. Ensuite, dans les autres, l'orthopédie, moi j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le KB plutôt que le collège, mais il a changé, donc il faudrait revoir. Pour la gastro, ils n'ont pas sorti en papier. Pour la gastro, il faut prendre l'ancien. Hein. Le nouveau là qu'ils ont fait en ligne, c'est la fiche visa, ils n'ont rien compris les gastro. Ne lisez pas ça, il n'y a pas assez d'infos. Lisez l'ancien. Ensuite, l'immuno, ça ne sert à rien. Parasito, ça ne sert à rien. Radio, vous pouvez l'emprunter pour regarder les radios en même temps que les items pour voir un peu quoi ressemblent les radios de. Tu peux pas dire, vu par exemple, etc. Mais il ne faut pas l'acheter à mon sens. Un appât, non, pas d'intérêt. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Réa, le collège est très bien. Ouais, ortho, ouais, je suis d'accord, nouvelle édition. Imagerie, il ne faut pas l'acheter, il faut le faire à côté. Nutrition, il faut le lire une fois. Radio, il faut s'entraîner en stage. En stage, en stage, en stage, en DP, en stage, en DP, en stage, en DP. Le collège d'anesthésie, non. Géria, oui. Géria, oui. Géria, très bien. Réa, c'est le maçon dont je parle. La Réa Anest. Thérapeutique, oui. Il faut le lire au moins une fois. À mon sens. Une fois suffit. Mais il faut le lire une fois. On peut partir à la Bélu, par exemple. Ça n'a rien de l'acheter. Dépensez pas d'argent. Les livres d'épée de la Martingale, je ne sais pas ce qu'ils valent, Adrien. Je n'ai pas fait de livre. Je préfère pas dire de bêtises. Demandez à d'autres gens qui les ont faits. Je suis désolé. Soin palia, il va avec. Son palia, il faut le lire une fois, ouais. Au moins les items. Traitement de la douleur et palliatif. Le reste, vous un petit peu oublié, mais traitement de la douleur et palliatif, il faut le faire, que ça tombe régulièrement. C'est rédige, à mon sens, non, le collège d'AGE suffit. Le collège de gastro suffit, il a cherdit, j'ai traité dedans. Ouais, on corrige tout en deux. Alors parfois, il m'arrive de ne pas en corriger un.
d'en mettre des bonus en fait. Par exemple, je mets des annales pour que vous les ayez, les corrections, etc. Mais sinon, après, ça dépend aussi des conférenciers. Alors, neurochir, juste les items tumeurs, par exemple, mais pas tout. Genre l'AVC, machin, ça sert à rien. Juste item tumeur. Donc, pareil, l'achetez pas, empruntez-le à la BU. Là, mes autres collèges, c'est pas oublié. Hémato, le collège est très bien pour l'ECN parce que tout est dans le collège. Et je vous conseille de lire ou d'emprunter une fois l'hémato en fiche, le collège, le bouquin vert, il est très très bien foutu. Je trouve qu'il aide à compléter très bien le collège et à mieux comprendre. Mais les DP sont partis du collège, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais regarder les collèges qui me restent, si j'ai oublié, mais non, je ne crois pas. De façon générale, privilégiez les collèges quand même. LCA, il y a le PDF de Paris Descartes qu'il faut couper sur Google, que vous trouvez facilement. Et du coup, en général, ça fait nutrition, il faut le lire une fois vite fait, pas plus, je pense. Alors, les conférences parasito, non. Les conférences MS commencent en septembre pendant l'été. Alors, il y a le distanciel, il y a deux distanciels. Il y en a un qui commence là en juillet bientôt et un qui commence en septembre. Et après, sinon, c'est septembre pour les autres. Immuno, non, pas d'intérêt. Immuno, il ne faut vraiment pas le faire. Et en plus, il n'est pas bon. Alors, très bonne question de Adnan Chebrati. Entre ceux qui sont très bien classés et les autres, quelle différence de stratégie avez-vous relevé? Alors, globalement, les gens très bien classés, bon, déjà, c'est les gens qui bossent, hein, il n'y a pas de secret, je veux dire, enfin, on ne va pas se mentir. Ceux qui bossent efficacement. Pas forcément les gens qui bossent le plus en termes d'horaire, mais qui bossent efficacement. C'est-à-dire que vraiment, ces gens qui ne vont pas négliger les entraînements. Souvent, l'erreur que vous faites, et qu'on fait tous, hein, c'est de se dire, je ne maîtrise pas mon cours. Je ne maîtrise pas mon cours. Je me fais un DP, je me foire. Je ne maîtrise pas mon cours. Je fais du cours, je fais du cours, je fais du cours. Non, en fait, ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner. S'entraîner, c'est apprendre différemment et d'une façon qui va être beaucoup plus facile à ancrer. Et encore une fois, je prends un exemple typique, un dossier de paludisme, il n'y en a pas 12 000 différents. C'est toujours pareil. Donc, quand vous avez fait 10 dossiers de palud dans votre vie, le dossier de palud de l'ECN, il passe, mais comme maman, papa, quoi. Papa, maman, plutôt. Ça marche mieux dans ce sens-là. Mais voilà. Juillet, c'est le distanciel qui commence. Donc, c'est toutes les villes. Mais c'est que du distanciel. Voilà. Donc, c'est beaucoup l'entraînement, l'assiduité, venir en cours préparé, être régulier. En fait, le secret, ce n'est pas forcément de travailler comme un gros bœuf. C'est travailler régulièrement. C'est d'avoir un rythme de croisière qui est un bon rythme de croisière, avec plein d'entraînement et tout en gardant un moral. Et un truc que je vais dire, qui est un petit peu bisounours-like, mais qui est vrai, c'est de garder du plaisir dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'au-delà de travailler pour le concours, vous travaillez surtout pour vous, quoi. Je veux dire, moi, quand je travaillais le collège de médecine interne, parce que c'est ce que j'ai fait comme spécialité, j'y prenais plaisir. Ça m'éclatait de prendre du lupus, de prendre la stimulologie, ça me faisait plaisir de le faire. J'étais pas en mode. Je fais ce collège pour l'ECN. Je fais ce collège parce que j'aime ce collège. Il va apprendre des choses pour l'ECN. Il va m'apprendre des choses pour la vie de tous les jours. Et voilà. C'est vrai que je vous dis aussi d'alterner les collèges que vous aimez et que vous n'aimez pas. Parce que ceux que vous aimez sont plus faciles à lire et ça peut être plus cool. C'est ça, en fait. C'est aussi une philosophie. Et surtout, ménagez-vous. Enfin, un soir, le soir, vous n'avez pas à bosser. Ça ne sert à rien de vous acharner. Foutez-vous une série, mettez-vous Obi-Wan Kenobi ou je ne sais pas quoi, ou Stranger Things pour être un peu up-to-date. Mais surtout, ne vous faites pas du mal. Il vaut mieux être moins bien classé qu'être mal, en fait. C'est pas bien. D'accord? Et encore une fois, s'il y a des questions, il y a mon mail qui est là. Et voilà, s'il y a une difficulté aussi psychologique quelconque, mon mail est là. Bien sûr, si vous m'envoyez un mail, c'est entre vous et moi. Hein. C'est privé, bien sûr. Voilà. On est dans les temps, on est super fort. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes content de cette conférence de présentation? Ça vous a un petit peu aidé à y voir plus clair sur la D4, sur les DP, sur tout ça? Super. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais voir pour que le PowerPoint soit rapidement disponible sur le site d'Hermès ou autre. Super, avec grand plaisir. Bon courage pour la D4. Ouais, parce que là, c'est en replay, ouais, tout à fait. Bon courage pour la D4, donnez tout, faites-vous plaisir. On se reverra peut-être en conf avec grand plaisir. Voilà, et puis n'hésitez surtout pas si besoin. Bonne soirée à tous.